Entre nous, une émission créée spécialement pour vous. Mes chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir d'être avec vous et de vous savoir face à vos écrans pour un nouveau magazine. Nous sommes présentement à Kinshasa et comme nous vous l'avons promis, nous allons toujours recevoir des artistes qui vous font plaisir. Toutes ces personnalités viendront ici au Carrefour, parce que le Carrefour se trouve dans Entre nous. Je reçois une personne qui n'a pas souvent l'habitude de passer, pour ne pas dire presque jamais. Alors, est-ce une difficulté? Est-ce un choix? Il nous le dira sans doute aujourd'hui, mais je sais que quand vous allez le voir, vous allez tout simplement être abasourdi. Abasourdi dans le bon sens. Il est artiste, chanteur, chrétien, prédicateur, conférencier, écrivain, auteur, compositeur, et j'en passe. Souvent, il aime être appelé la réserve de l'Éternel. Alors oui, je sais que maintenant vous commencez à comprendre de qui je vous parle. Il est pasteur et responsable de la grande communauté Cité Bethel, ici à Kinshasa et dans le monde entier. Natif de Matete, un vrai Kinois, il a eu la rage de vaincre, la force d'y aller, de toujours vouloir faire mieux. Être le meilleur, ça c'est à vous d'en juger, mais de faire mieux, nous sommes persuadés que c'est son but. Il a aussi son label qui est Bibomba Music et qui nous a livré d'ailleurs ces derniers temps, pour ces quelques derniers mois, un succès faramineux qu'on attendait, puisque notre artiste, vous la connaissez, et là il nous a lancé Teddy Disso, qui nous a fait un plaisir avec cette fameuse chanson. Rien que pour vous, il a fait de son silence une arme indestructible. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Pasteur Moïse Mbillé. Bonjour. Bonjour Madame Ingrid. Comment allez-vous? Je me porte bien et je suis heureux d'être ici sur votre plateau. Je bénis Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de parler, d'édifier ceux qui sont affaiblis, mais aussi de réjouir ceux qui sont déjà dans la joie, et consoler ceux qui sont abattus. Bref, je suis heureux d'être là et merci pour l'invitation. Est-ce que j'ai le droit de dire enfin dans Entre nous? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Non, mais pourquoi enfin? Je suis là, c'est l'essentiel. Le temps, vous savez, lorsque vous avez fait ma petite biographie, vous avez dit tellement de choses. Vous avez aimé, en fait? Vous avez dit de bonnes choses et tout est vrai, c'est l'essentiel. Vous voyez, toutes ces casquettes demandent beaucoup de temps. Voilà pourquoi on est peut-être rare sur les plateaux de télévision. Exactement. C'est parce que nous aimons le travail. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories. Il y en a qui font les shows et il y en a qui font les jobs. Et moi, j'ai choisi de faire les jobs. OK, dans toutes ces coutures. Oui, j'ai fait le job et non les shows. OK. Oui. On verra ça. Est-ce que, pasteur, je peux vous demander ça? J'adore demander ça, mais je ne les ai pas toujours souvent. Pasteur, peut-on commencer par une prière rapide, courte, mais efficace? Éternel, merci pour cette occasion que tu nous donnes de te servir. Merci pour ta servante Ingrid que tu utilises aujourd'hui pour que la lumière luise au milieu du ténèbre. Merci pour tout ce que tu as fait avec elle. Merci pour tout ce que tu feras encore. Que cette émission bénisse, que cette émission guérisse, que cette émission relève, que cette émission restaure, que cette émission donne l'espoir, que cette émission rapproche de toi, Seigneur. Que cette émission ouvre les yeux à ceux qui ne savent pas quoi faire, à ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chemin dans la vie. Que cette émission motive, que cette émission crée et donne naissance à des héros et des héroïnes. Que ta grâce soit sur toute l'équipe et que l'Afrique soit bénie. En ton Saint-Nom Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.
Merci, pasteur. Merci. Au commencement, était emballé rapide avec vous pour bien démarrer. Déjà, on vous a senti de bonne humeur aujourd'hui, donc tout va bien, comme vous attendiez ça aussi. Alors, on se dit, vous avez été donné, on ne va pas retracer, puisque tout le monde sait que le pasteur Moïse a été donné comme offrande à l'église par son père qui était l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Alors, quand on est petit et qu'on sait qu'on a déjà été offert à l'église, ça, c'est un cadeau de votre père. Mais à quel moment Moïse Mbiye, dans sa jeunesse, comprend que ça va être une voie qu'il va, dans tous les cas, emprunter. Ça va être un destin. J'aime beaucoup votre question. Un jour, je suivais un prédicateur qui disait, si tu ne connais pas la date, l'heure, et même le jour où tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, donc tu n'es pas encore converti. Mmh. Et moi, j'ai été scotché à la maison, je voulais comprendre ça. Il disait, moi, j'ai connu un accident en route, et quand je suis allé à l'hôpital, dans le coma, j'ai rencontré le Seigneur. Vous voyez, c'est dans des occasions comme ça que tu découvres le Seigneur Jésus. Et lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, ouf, je ne suis pas converti alors. Ouais. Ah, parce que moi, je n'ai pas connu d'accident. Mm-hmm. Moi, je n'étais pas dans une boîte de nuit en train de danser et puis j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Moïse, arrête !» Moi, je suis né dedans. Ouais. J'ai grandi dedans. Dieu m'a envoyé dans la famille de mon père pour que je lui appartienne. Mm-hmm. C'est deux choses. Vous savez, que j'appartienne à Dieu, ce n'était pas une idée de mon père. Mm. Donc, Dieu lui a dit « Voilà, un enfant va naître dans ta famille et cet enfant m'appartient. Dès que tu l'as, viens me le remettre. » Et à 6 mois, mon père m'a remis à l'église. Ouais. J'ai grandi comme ça dans les choses de Dieu jusqu'à ce que je commence à aimer moi-même Dieu. Avant, j'aimais les choses de Dieu. Uh-huh. Parce que c'est deux choses. Il y a aimer l'église et aimer Dieu. Mm-hmm. Plusieurs aiment l'église mais n'aiment pas Dieu. Mm-hmm. Vous voyez ? Et moi, j'ai commencé par aimer l'église comme tout enfant parce que j'avais deux potes, des amis, dans des petits groupes d'adoration. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à me parler personnellement, à se révéler à moi. Et j'ai commencé à avoir des songes, j'ai commencé à avoir des visions. Dès le jeune âge, je commençais à comprendre la parole de Dieu. J'avais 7 ans lorsque j'ai prié pour mon cousin malade. Et mon cousin aujourd'hui est pasteur à Lubumbashi. J'avais 7 ans lorsque j'ai prié pour mon cousin et il y a eu une guérison. Vous voyez ? Donc moi, je ne suis pas passé par des accidents. J'ai été offert à Dieu. Et en son temps, Dieu a choisi de commencer à me parler. J'ai grandi dans ça et puis j'ai évolué comme ça. Mais alors, avant qu'arrive ce temps, je me dis quand même, je l'ai bien précisé, un jeune Kinois. Regardez d'où vous venez, Matete. Ça veut dire que c'est l'un des quartiers populaires ici dans la ville de Kinshasa, où généralement les jeunes se livrent à toute autre activité, sauf sans doute celle de l'église. Vous avez quand même des potes à l'école, vous allez à l'école, vous avez des amis et pas forcément qui vont tous à l'église. Comment vous vivez cette jeunesse, on va dire ? C'est-à-dire, où des fois, vous n'avez jamais été tenté de dire que, voilà, qu'il y en a à boîte, c'était peut-être parce que dans la famille, mon père est pasteur, mais jamais cette envie, quelque part ailleurs, de voir à quoi ça ressemble. Non, c'est vrai, je vais le dire encore, je le dis tout le temps, je n'ai pas eu, je ne sais pas s'il faut appeler sa chance, le temps, je n'ai pas eu le temps d'aller dans une boîte de nuit de toute ma vie. De goûter à l'alcool, à une cigarette, à toutes ces choses, à l'ambiance. J'ai pas fait ça. Et ça arrivait que nous puissions fixer de rendez-vous avec mes amis. Ouais. Ah, quand même. Aujourd'hui, quand même, on va aller à tel endroit. Et puis, quelque chose s'est passé, je ne sais pas comment, mais quelque chose s'est passé pour que je ne me retrouve pas à ces lieux de rendez-vous. D'accord. Oui. On pouvait parler, planifier. Je dis, OK, je reviens. Et puis, à 16 heures, lorsque eux vont à leur rendez-vous, à un match de, je ne sais pas, football, à un catch, parce qu'à ma tête, à l'époque, il y avait beaucoup de catcheurs. C'était les fiefs du catch congolais. Vous voyez, il y avait à l'époque tous ces catcheurs. Et moi, quand il était 16 heures, je me retrouvais soit avec ma mère, soit à l'église, soit avec mes sœurs. J'étais jamais là. Okay. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai choisi de ne pas être là. Mais quelque chose se faisait, une occupation. On m'envoyait faire quelque chose, balayer quelque chose, mais j'étais jamais là.
J'étais jamais au rendez-vous et mes amis étaient habitués à ça. On savait que Mbi et il vient jamais. Et j'ai grandi comme ça et j'aimais me retrouver à l'église. Vous voyez, j'aimais être à l'église. Je trouvais mon bonheur à l'église, enfant que j'étais. Vous voyez, j'ai passé déjà nuit samedi à l'église. J'arrangeais les bancs pour que ceux qui viendront au culte le matin à 6 heures puissent trouver les choses en ordre. J'ai grandi comme ça. J'aimais ça. J'ai dormi à l'église avec des moustiques. J'ai laissé ma chambre, mon lit, pour des raisons que j'ignorais. Et je pense que l'appel a une force que parfois rien ne peut arrêter, vous savez. Lorsqu'il y a un appel sur ta vie, lorsque tu es appelé à faire quelque chose, j'imagine que vous aviez eu beaucoup de propositions dans votre vie, mais vous avez choisi d'être là, vous avez choisi de faire ce que vous faites. Et parfois, il y a des difficultés, mais quelque chose vous dit, ça marchera demain. Vous continuez. Parfois même, vous vous demandez, mais pourquoi je continue? Il y a des portes qui s'ouvrent ailleurs. C'est ça la force de l'appel. Et moi, cette force, j'ai été secoué, emporté par cette force depuis mon jeune âge. Et jusqu'aujourd'hui, je suis encore attiré par cette force. Encore, ben, Dieu merci, encore la flamme. Alors, un enfant, un élève, comment? À l'école? Dérangeur? Ça, c'est un comportement. Dérangeur ou pas? J'étais plutôt influenceur. C'est-à-dire, je ne parle pas, on ne me voit pas, mais c'est moi derrière la chose. Donnez-nous un exemple pour qu'il soit plus explicite à notre compréhension. C'est exactement ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas changé, vous savez. Ouais. Vous pouvez ne pas me voir, mais je suis derrière la chose. Vous avez parlé, lors de votre introduction, vous avez parlé de Teddy Disso. Vous voyez, je ne suis pas là. Vous ne me voyez pas dans les clips. Mais je suis derrière. La casquette du producteur. C'est ce que je suis. C'est ce que j'ai été depuis mon enfance. Lorsque le professeur fait quelque chose qu'on n'aime pas, moi, je pousse les autres à réclamer. Mais moi, je suis là. Pour réclamer pas. Du coup, j'étais le chouchou de tout le monde. J'étais pas très dérangeur parce que au-dessus de toutes ces choses, j'étais très timide et je le suis encore, d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc, quand... Bon, je ne sais pas si tout le monde va y croire, très timide, encore aujourd'hui? Très. Vous travaillez ici? Non, j'y travaille pas. Depuis un temps, j'ai appris à accepter ce que je suis. J'y travaille pas. Vu que vous avez grandi à l'église et que vous aimiez ça de vous-même, c'est-à-dire que vos musiques étaient influencées par les musiques chrétiennes, et puis d'ailleurs, vous aimez, vous êtes vous-même pianiste, vous avez commencé depuis petit, vous avez dit que votre père était homme de voyage et vous avez offert ce fameux instrument. La musique vous apportait quoi, déjà, à cette époque? Mon père était compositeur de musique. Mon père était un amoureux de la musique. Et il aimait ceux qui chantaient haut comme ça, les voix qui piquent là. Ouais. C'est ce que mon père aimait. Alors finalement, j'ai eu le petit frère à mon père, Jean Diboué, qui nous a quittés, j'étais encore très jeune. Lui aussi, à son tour, un amoureux de la musique, et il est parmi les premiers diamantaires à l'époque de Lunda, vous voyez. Okay, okay. Lui, c'était Chicapa dans les diamants. Je sais pas comment il a fait, mais il s'est retrouvé président d'honneur d'un groupe. Okay. Pourquoi? Il aimait chanter, mais il n'avait pas la voix. Alors, ce qu'il faisait, c'est quoi? Il prenait son argent et il donnait. Alors, comme il était tout le temps dans la brousse pour chercher les diamants, les groupes répétaient chez son grand frère, qui est mon père. Et moi, j'ai baigné dans la musique. Okay. Parce qu'il y avait un groupe de musique qu'on appelait Lévitique. C'est un groupe, je pense, de 50 hommes, des majeurs, qui chantaient avec, 30 guitares et tambourins. Ils chantaient tous les jours. Et moi, je baignais dans ça. J'aimais ça. Lorsque vous écoutez ma musique, des chansons telles que Molly, moi, à la fin. Ça, c'est la vieille école. C'est la vieille musique. C'est la musique quand nous, on grandissait. Et c'est la musique du groupe Lévitique. Avec des guitares, tambourines. Ça chantait comme ça. Et après, mes sœurs ont été très emportées par la femme d'un pasteur qui encadrait mes sœurs. D'accord. La femme s'appelait Maman Claudine, elle est vivante. J'ai dit mes hommages à Maman Claudine. Et mes sœurs chantaient avec Maman Claudine.
Alors, maman Claudine, chaque fois à la maison, de retour, mes sœurs essayaient de répéter pour qu'à la prochaine répétition, qu'elle soit meilleure. Et moi, je venais. J'essayais de mettre la petite voix là en bas. On me disait, arrête, tu chantes mal. Tu chantes comme, vraiment comme un... Comme, ça, on dit, comme une casserole. Non, mais comme si on t'a... Comme une voix, ça... Non, mais on disait n'importe quoi pour m'arrêter. Mais moi, j'aimais ça. Jusqu'à ce que mon père a acheté une minibus, IAS. Après un temps, les chauffeurs ont mal géré. Minibus tombé en panne. On se retrouve avec... comment on appelle ça, des véhicules qui ne roulent plus. À épave. Épave, dans la maison. Et l'épave est devenue mon Zénith de Paris, mon Bercy, mon Showbuzz, okay. Mon Shark Club, mon tout, mon Olympia. Je me retrouvais dans l'épave. Je criais parce qu'à la maison, on faisait des bruits. On n'avait pas une grande maison. Alors, c'était le seul lieu, enfin, où je pouvais entrer, crier et écouter les musiques avec, vous voyez, les cassettes à l'époque, oui, on était, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et j'écoutais la musique. J'écoutais la musique, je vivais la musique, je respirais la musique, j'oubliais de manger. On me cherchait dans la maison, je n'étais pas là, j'étais dans mon Zénith de Paris. Vous voyez? Et c'est comme ça que je deviens... Celui qui est dans le groupe musical de l'église, oui. Mais quand il y a une chanson que la dirigeante donne, on va travailler cette chanson. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais écouter la radio Sangoumalam ou bien une radio quelque part. Je trouve la chanson, j'enregistre. Je connaissais le programme de la radio Sangoumalam. Il y avait des musiques à l'époque, des exoéclats, les musiques françaises, la variété, qui passaient à 18h, 19h. Et chaque 19h, j'étais là avec ma radio, j'ai acheté des cassettes avec mon argent de poche pour enregistrer. J'enregistrais, je mettais dans mon, on appelait ça Walkman. L'ancienne, voilà. Oui. À l'ancienne, et je mettais dedans. Le Walkman. Et j'écoutais que ça, j'écoutais. Et quand je revenais le lendemain à la répétition, j'apportais les voix exactes. Le piano a joué comme ça. Et c'est comme ça que j'étais en train de faire mon entrée dans un monde des compositeurs, un monde d'arrangeurs, un monde de directeurs artistiques, sans le savoir. C'est parti comme ça. Et c'est aussi grâce au cours de l'INA que vous avez reçu, non? Vous avez eu des cours par un professeur que votre père avait engagé? Oui, j'ai eu des cours de piano. Mais... à un moment, ça ne m'a pas beaucoup influencé. Ok. Ouais, malheureusement pour moi, l'INA ne m'a pas beaucoup influencé parce que je voulais faire ce qui sortait de moi. Vous voyez, c'était pour avoir des bases de la musique classique, apprendre à écrire et à lire la musique. Mais je n'ai pas bâti ma carrière sur ça. Et justement, quand vous étiez jeune, vous êtes quand même d'une génération où à l'époque où vous étiez... Le Wenge Renier, les artistes de cette... C'est vraiment, là, on va dire, cette bonne période-là. Est-ce qu'à l'époque, vous estimiez déjà, là, dans votre adolescence, 13, 14, 15, vous estimiez déjà que c'était une mauvaise musique, puisque même si on ne l'écoute pas à la maison, on passe dans la rue, on marche, on avance. Et vous estimez déjà que ce n'était pas une musique faite pour vous? Moi, comme je t'ai dit au début, je suis né et grandi à l'église. Et nous, l'église, c'est pas... C'était pas une église où il y a beaucoup de liberté. Okay. La cité Bethel était une église ancienne. Aujourd'hui, c'est une communauté qui a 40 ans. Vous voyez? Et c'était dirigé par de vieux papas, de vieilles mamans, des conservateurs. qui te laissent pas le temps de respirer. Nous, quand on grandissait, on mettait pas de chemise manche courte. Okay. C'est à ce point, Madame Ingrid. Quand tu mets une chemise manche courte, tu arrives à l'église, il y a quelqu'un qui te regarde, il te dit, frère, il ne faut plus faire ça. J'étais jeune, j'étais un enfant, on m'appelait déjà frère. Tu vois, on t'appelle déjà frère. Tu n'as que... Mais écoutez, j'ai que 13 ans. Mais 13 ans, on t'appelle déjà frère pour te rappeler que tu n'es plus le fils de ton père, le fils de ta mère. Tu es un serviteur de Dieu. Exactement. On a grandi dans ça. Donc, c'est-à-dire, on était jeune. On n'écoutait pas ces choses. Et puis, moi, je suis un fils de pasteur. Tu vas prendre ces CD pour emmener à la maison.
Tu vas faire comment? Et à l'époque, on n'avait pas Antenne A, on avait OZRT, la seule chaîne qui existe. Mm. On regardait ce que Mobutu voulait qu'on regarde. Exactement. Tu vois, c'est toutes ces choses. Et je n'ai vraiment pas eu le temps d'aimer certaines choses. Aujourd'hui, quand on a grandi, on a commencé à sortir, à voyager, à monter dans des avions, à entrer dans des taxis. C'est là que dans des taxis, tu écoutes une musique. Mm. Ah, ça, c'est Wenge. Mais quand on était enfant, nous, à la maison, c'était... Il était hors de question même d'imaginer, écouter. Ça. Non, et puis à l'époque, il n'y avait pas autant de bars comme aujourd'hui. Ça c'est une réalité. Donc, c'est-à-dire, les quartiers résidentiels étaient résidentiels, on étudiait et on aimait Dieu et on priait, ça s'arrêtait là. D'accord. Aujourd'hui, il y a des bars à côté, ça te... bon, tu écoutes la musique, tu entres dans un taxi, tu écoutes la musique, mais on n'a pas grandi dans ça. Cinquième d'une famille, quel était le comportement de Moïse à cette époque-là, à la maison, avec ses grands frères, avec ses... frère et sœur. Il était comment? Je suis toujours un monsieur qui respecte tout le monde. Mm-hmm. Je respecte beaucoup ceux qui sont avant moi ou après moi. Mm-hmm. Et ça fait que je suis un peu le chouchou de ma famille. Ah, ok. Tout le monde, même dans ma famille. Tout le Vous monde. Avez la bonne place. Pas parce que je suis Moïse Mbi, mais parce que je suis quelqu'un qui sait mettre tout le monde à sa place. Je ne te respecte pas à cause de ton titre. Mm-hmm. Je respecte même celui qui n'a pas de titre. Je suis comme ça et je pense que c'est ce qui fait de moi même l'homme que je suis. D'accord, bon, c'est comme ça qu'il est un peu rassembleur, je peux dire. Très rassembleur. Et alors justement, vous avez ce groupe, comme vous avez dit, vous avez fait des groupes, vous étiez allé au groupe de l'église et ensuite en tant que chantre, on en repasse, hein, vous le savez, pianiste, arrangeur de son, tout ça. Oui. Et au final... Oui. Vous décidez de partir et de vous dire que non, je suis capable de faire carrière solo. La motivation était laquelle? La motivation était que j'étais chassé du groupe. Aujourd'hui, je revois mes anciens. On les appelle comme collègues? Non, je vais les appeler mes amis. Ok. La motivation était que j'étais chassé du groupe. Maintenant, quand j'en parle, bon, ça me fait en même temps. Ça me dérange d'en parler parce que quand on se voit, c'est un mauvais souvenir. Ah, ça c'est un comme souvenir. Si j'ai l'impression parfois je les accuse, mais en même temps je pense que c'est cette attitude là, cette rigueur. Mmh. Je vais appeler ça rigueur, je vais pas appeler ça méchanceté. Mmh. Ils ont été pas méchants mais rigoureux envers moi. Et je pense que c'est ce qui a fait de moi aussi l'homme que je suis. Donc, on n'a pas à regretter. En vrai, non. Voilà. Je voulais un jour, Dieu me disait, Moïse, je veux que tu fasses ton album. Et j'étais dans un groupe musical, j'étais le directeur artistique. Je m'occupais des arrangements, des écritures, des chansons et tout ça. Jusqu'à ce que je suis allé voir le groupe pour dire que Dieu m'a dit de faire un album. C'était après une prière de 21 jours. Mmh. Et ils m'ont fait savoir que... Ils m'ont fait comprendre que... qu'ils n'étaient pas d'accord. Mm-hmm. Ils m'ont dit d'aller encore prier. Je suis allé prier et Dieu m'a confirmé avec beaucoup de signes. Et quand je suis rentré, ils m'ont dit il faut choisir entre les groupes et ton album. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je suis allé prier. Dieu m'a dit choisis ton album. Mm-hmm. Et j'ai choisi un album. Je me suis retrouvé dans une carrière solo. Yeah. En fait, j'avais choisi un album. Je n'avais pas choisi la carrière solo. Juste l'album. Ouais, c'est l'album que j'avais choisi. Mais l'album est venu avec... avec une carrière solo parce que les groupes n'acceptaient pas ça à l'époque. Mmh. C'était aussi pour la sécurité du groupe. Le groupe avait connu beaucoup de départs. Exactement. C'est normal et j'étais important pour les groupes à cette période-là. Ils ne voulaient pas me perdre. C'était normal. Je pense que c'était par amour. Ce n'était pas par méchanceté qu'ils ont dit que je parte. Et ma carrière solo a commencé là. Et vous êtes parti d'ailleurs avec un bassiste que vous avez jusqu'à aujourd'hui encore. Il est batteur, hein, excusez-moi parce que des fois je me trompe. À l'époque, c'était le joueur de tam-tam, voilà. Le percussionniste. C'était le troisième drummer du groupe. Et c'est le seul qui m'avait suivi. Je suis allé avec lui, on a commencé les arrangements dans une petite maison d'un ingénieur du son, Christian. Des bonhommes, j'avais mon synthé et mon drummer. On a fait ça et Christian lui a appelé un bassiste, lui-même était guitariste. Finalement, on s'est retrouvé avec un drummer moyen, un bon soliste, Christian, qui était ingénieur, un bassiste professionnel et moi, le pianiste chanteur. D'accord. Alors, comme à l'époque, je fréquentais parfois Ina, il y a des collègues qui sont venus chanter avec moi.
Et puis, tout est parti de là. C'est plutôt mon bassiste avec qui je suis aujourd'hui. Je tourne avec lui quand je voyage, Cédric. Mm-hmm. Il aime qu'on l'appelle Béton. Je lui ai dit, bon, il faut laisser ses noms au président maintenant. Et quel était le rêve de gamin? Mon rêve de gamin? Ouais. Servir Dieu. Envers et pour tout. Servir Dieu. Je rêvais de servir Dieu. Moi, j'ai réalisé mon rêve. Mon rêve, c'était pas l'argent, c'était pas le succès. C'était servir Dieu. Non, c'était servir Dieu. J'étais d'ailleurs pianiste parce que je voulais pas être devant. J'étais tellement timide, je voulais être derrière tout le monde. Je voulais être l'influenceur, comme j'ai dit, écrire les chansons, arranger les chansons et que les autres brillent. C'est ce que je faisais dans mon groupe. J'écrivais pour les autres, j'arrangeais pour les autres. Mais après, quand j'ai commencé ma carrière, je savais même pas que ça allait marcher. Moi, j'accomplissais juste la volonté de Dieu qui m'avait dit de faire un album. Et quand ça a marché, à 2 semaines, il n'y a pas eu d'invitation. Personne n'est invité pour chanter dans son église. 3 semaines, un mois et demi, je commençais à me dire, c'est bon, ça n'a pas marché. 2 mois, j'ai reçu la première invitation. C'était comme une blague. Je suis allé chanter quelque part. Je ne me souviens plus c'était où, mais c'était après 2 mois. Et après, ça ne s'arrêtait plus. Okay. Je chantais, je voyageais, j'allais partout. Vous voyez, c'est venu comme ça. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous quand le pasteur Moïse met toutes ses casquettes. On vous a préparé un medley de tout ce qu'il est capable de faire. Regardez ça et on se retrouve juste après. A tout de suite. Nini bako kyo songi sana moto apongi sivi na yo. Nini bako pesana moto longoli yo na mawe. Abomba kangana ekenge neti loko ya motu ya ewe. Yango bako sala nyonso bazolo nanga ite. Nyonso mawana yo lokola. Lokola yonalu kina monite yako fandananga. Dans mon parcours, de retour sur ce plateau, pasteur, j'espère que ça va. Hein? Vous êtes à l'aise? Je bénis Dieu pour votre émission. Donc si ça va, si vous allez bien, c'est que nous, tout se passe à merveille. Alors, au-delà d'une carrière solo, ma première question qui vient, c'est me demander, est-ce que vous saviez déjà, quand vous entamez cette carrière, que vous aviez déjà cette envie plutôt aussi de prêcher? C'est sur ces deux côtés-là. J'avais envie de prêcher parce que je pense que j'étais influencé par les grands prédicateurs de l'époque. Il y avait un homme, mon père avait des cassettes VHF, vous voyez, de l'époque. Et son nom, c'était Jimmy Swaggart. OK. Jimmy Swaggart était jeune. Il réunissait des gens incroyables. C'était des foules incroyables, chaque réunion de Jimmy Swaggart, partout dans le monde. Il était jeune. Il était très perfectionniste. Il était pianiste. Il était chanteur, prédicateur. Et il faisait de miracles avec Dieu. Et je regardais ça tout le jour. Et ça m'arrivait de me retrouver dans la chambre, d'essayer de faire comme Jimmy Swaggart. Okay, comment d'accord. Il faisait une jambe comme ça quand il chantait. C'était un vrai gentleman, les gars. Il faisait ça avec son micro, avec fil. Il bougeait son micro comme ça. Et quand il parlait, il regardait les gens dans les yeux. Et il était... Tu ne peux pas le suivre et rester le même. Okay. Vous voyez? Et quand il jouait au piano, il était profond. Et il pleurait tellement il aimait Dieu. Je pense que c'est cet homme qui m'a le premier transmis l'amour de l'œuvre de Dieu à une certaine dimension. Okay. L'amour du piano, l'amour du chant, l'amour de la prédication aussi. Je pense que ça, les rêves est parti aussi de là, je pense. Grâce à lui aussi, donc il a quand même influencé. Je peux dire que c'est un père pour moi, un père pour moi dans la foi aussi, parmi mes pères. Alors, dans les difficultés pour la carrière solo, c'est-à-dire que vous quittez un groupe qui est lui déjà connu et vous vous dites, bah non, malgré tout ça, moi, je vais faire quand même mon album. Vous y croyez dur comme fer
Et hop, on est parti. Des premières difficultés. Et ça, ça permettra aussi à d'autres qui, encore, même si les années ont passé, qui oublient des fois tous ces passages. J'avais pas d'argent. J'avais 50 dollars seulement. Mes économies depuis je ne sais pas combien de temps, ça faisait enfin 50 dollars. Et puis 50 dollars de l'époque. Oh mon Dieu, tu me voles ça, je meurs. C'est fini, je tombe. J'avais mon 50 dollars et je me promenais avec. Je ne laissais pas à la maison. Au cas où. Non, mais je vais laisser à la maison comment? Dans la chambre, on est à 6. Mais on ne sait jamais. On est enfant de c'est vrai, on est enfant de pasteur, mais il ne faut pas prendre des risques. J'avais mes 50 dollars avec moi. Et où je cachais ça? Je ne te dirai pas parce que... On a compris. Je cachais sérieusement mes 50 dollars. Alors, finalement, je dois faire mon album. Les amis ne sont pas là. Ils ne veulent pas m'accompagner parce qu'ils n'ont pas digéré mon départ. Je me retrouve seul. L'ingénieur est là. Et j'ai une guitare que je garde à la maison à un synthé. Je dis, si je donne ces synthés, je suis mort. C'est toute ma vie. La guitare, j'apprenais. J'ai dit à l'ingénieur, je te donne cette guitare. Laisse-moi enregistrer. Dès que j'ai l'argent, je paye les dettes. Comme c'était un ami. On a commencé, je lui ai donné les 50 dollars. J'avais plus rien. Et j'allais de temps en temps faire les yeux doux à ma grande sœur, mamie. Mamie, je lui disais, quand j'arrivais, je regardais mamie comme ça. Et puis, elle me disait, Moïse, tu veux quoi? Non, je te regarde seulement, tu vois, tout ça, à la fin. Juste pour avoir quelque chose. Me donne un 500 francs pour que je paye mon transport. Et maintenant, j'enregistrais la nuit parce que le matin, ça coûtait cher. Vous voyez? J'enregistrais la nuit à partir de 22h. Jusque parfois 3 heures, 4 heures et on dort. Alors finalement, en plein enregistrement, un jour, je me retrouve, j'ai toujours parlé d'elle. Et je pense que je parlerai encore d'elle toute ma vie. Un jour, je me retrouve face au studio, c'était le studio Bubongo qui se trouvait sur Bon Marché. J'étais devant l'hôtel Phoenix parce qu'il ne fallait pas que j'entre avant. Il y avait des stars dans le studio. Moi, je ne suis pas connu. J'attends là où on vend les brochettes. J'attends que les stars sortent pour que moi, j'entre. Et c'est là que je voyais une dame. Elle était magnifique. Elle était très charismatique. Et je voyais beaucoup de gens autour d'elle. Et c'est la première fois que je voyais... En vrai comme ça, Marie-Missamou. Elle ne me connaissait pas. Et j'attendais qu'elle parte, je n'osais même pas l'approcher. Elle était là et moi j'étais là, tu vois. J'étais rien. Et elle est partie. J'enregistrais, elle partait. Je regardais tous les jours. Je n'ai jamais osé lui dire bonjour parce que j'étais timide et parce que je ne savais pas comment elle allait réagir. Je ne savais pas comment les stars réagissent. Je n'ai jamais fréquenté des stars de toute ma vie. Je n'ai jamais été une star toute ma vie. Et c'est là qu'un matin, l'ingénieur m'appelle, me dit, viens rapidement au studio à 6 heures ici, qu'on arrive avant que Marie m'arrive. Il y a quelque chose que je dois corriger avant qu'on puisse mixer. Et c'est là que j'arrive. Et ce jour-là, Dieu ne dort pas, tu sais. Ce jour-là, Marie-Missam aussi a décidé d'arriver au studio à temps. Attends. Pour la première, c'était connu qu'elle arrive des fois en retard. C'est une star. Et elle arrive à temps et je me retrouve au studio en train d'enregistrer, en train de faire mes bêtises là. Oh, mais montez, je ne savais pas là-dedans. Il y a une star qui me regarde. Ok. J'ai fini de chanter et pouf, je regarde qui? Marie-Missam. Je ne suis même pas allé voir l'ingénieur. Dès que j'ai fini, je suis sorti, je suis rentré à la maison. Et l'ingénieur m'appelle à 19h pour me dire, elle demande ton numéro. J'ai dit quoi? Elle demande ton numéro. Voilà. Et c'est comme ça que... Mais à aucun moment, Pasteur Moïse, dans ce que vous êtes en train de dire, à aucun moment, vous avez usé, si je puis dire, de l'étiquette ou la casquette de votre père. Votre père était... un influenceur dans tous les cas. C'est-à-dire, c'est un des grands noms, un baobab de l'église, même du réveil. Vous n'avez jamais dit, puisqu'en disant votre nom, ou même en utilisant le fait que vous soyez son fils, ça aurait pu vous ouvrir des portes. Malheureusement, ce n'est pas ça dans ma famille. Ok. Mais je te donnerai un exemple, peut-être que ça tu seras étonné. Ma petite sœur n'aime même pas que l'on sache qu'elle est ma petite sœur. J'ai une petite sœur qui n'aime pas. Okay. Quand elle est à Kinshasa, je lui donne ma voiture. Elle dit non, ta voiture, les gens connaissent. Je ne prends pas. Je prends mon taxi. C'est à ce point. Dans ma famille,
On n'est pas attaché au nom, on est attaché aux performances, aux exploits, aux individualités, aux qualités et non les noms. Les noms, ça nous intéresse pas. Vous étiez sûr de votre boulot déjà à l'époque ou pas? Parce que si vous étiez sûr, ça aurait pu juste être une passe. Sûr de... De vos capacités. Je croyais. Ah, vous y croyez. Je croyais en Dieu. Je pense que c'était ça. Je croyais en Dieu et je l'écoutais, je le suivais. Mm. Il m'emmenait où il voulait. J'entendais sa voix et je faisais. J'obéissais à Dieu. C'est ça le secret. Alors au final, cet album, les gens ont apprécié. Il y a des chansons encore jusqu'à aujourd'hui où les gens vous réclament. J'avais regardé encore dans certaines scènes. Certaines personnes vous réclament encore. Un album, deux albums. Pasteur Moïse, l'église Bethel connaît une crise. Et du coup, vous qui êtes passé en tant qu'intercesseur, dirigeant de la jeunesse, enfin, vous avez évangéliste, missionnaire, dirigeant de chorale, pasteur assistant, prédicateur en formation, prédicateur confirmé. On m'a déplacé 3-4 fois dans des églises pour assister de pasteur. Je suis passé par le chemin de tout le monde. Et vous demandez un jour, au final, lors d'une réunion, qu'on vous laisse l'église. Ma question, elle va être très simple. Qu'est-ce qui vous motive à l'époque? Quand je dis qu'est-ce qui vous motive, c'est savoir pourquoi. Aviez-vous une assurance quelconque, peut-être divine, au final, qui vous disait que ça va réussir? Puisque c'était quand même un gros challenge. Un songe. Un jour, la nuit, j'avais fini de prier à l'époque. L'église était bien, mon père était fort. On remplissait encore des stades, mais je voyais déjà une crise dans un songe. Et pendant ce moment de crise, je voyais l'église presque vidée. Il n'y avait pas beaucoup de lumière dans l'église. Et je voyais mon père se battre pour prêcher. À un moment, il ne voyait plus rien du haut de la chair. Et je me suis retrouvé dans le songe, assis aux côtés de prédicateurs, des pasteurs de l'époque. Je n'étais pas encore pasteur, mais dans le songe, j'étais assis au rang de pasteur. Et je voyais tout le monde dire, mais attention, touchez-le, il va tomber. Il ne faisait rien, il parlait. Et moi, je me suis levé, je suis allé le toucher et le faire asseoir. Et ça s'est arrêté là. C'est un grand frère pasteur à l'époque qui avait... interpréter ce songe. Et c'est comme ça que lorsque j'ai remarqué la crise, ça m'a rappelé le songe. Et je me suis dit, dans le songe, quand il y avait crise, je m'étais levé. Et puis je me suis dit que j'essaie de faire comme dans le songe, que je me lève. Et ça a marché. Vous récupérez cette église en très peu de temps, l'explosion, cette salle qui était vide, devient, du coup, redevient bondée. En trois mois. Dieu agit. Vous êtes sûr. Enfin, au-delà de dire être sûr, ce serait peut-être trop faible. Vous avez cette foi inébranlable. Quand Dieu me dit, Madame Ingrid, quand Dieu me dit fais, même quand je vois le ténèbre, le désert, le plus grand désert du monde devant moi, quand Dieu me dit sème ici, dans ces déserts, parce que Dieu m'a dit, je le fais. Je ne réfléchis pas avec Dieu. Je ne me pose pas de questions avec Dieu. Je ne demande pas des signes avec Dieu. Quand il m'a dit « fais », même quand ça fait mal, quand je vois des adversaires nombreux là, en train de m'attendre, et Dieu me dit « va au milieu d'eux », j'y vais. Pour cette personne qui était timide, elle prend ce courage. La Bible dit « celui qui gardera sa vie la perdra ». Vous voyez ? Parfois, ce qui fait que nous n'écoutons pas Dieu, c'est nous pensons à notre vie. Nous pensons à nos vies. Moi, ça m'arrive aussi de penser à ma vie. D'ailleurs, j'y pense tout le temps. Et quand j'y pense, je pleure. Ça m'arrive de dire à Dieu, Seigneur, et ma vie alors? Et moi alors? Tout ça, c'est pour toi et moi alors. Seigneur, je prends le risque. Seigneur, ça m'arrive. Vous voyez? Et à la fin, il y a toujours un chant de louange qui sort de ma bouche. Quand j'écoute Dieu. Jamais j'ai écouté Dieu et j'ai été déçu à la fin. Je tremble au milieu. Je doute au début. J'ai peur avant que ça finisse. Mais quand ça finit, c'est toujours un chant d'allégresse. Quand Dieu parle, je fonce. Vous foncez. Alors j'aime bien, il y a une phrase, tout le monde se pose cette question. Le pasteur Moïse est souvent habitué à dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Dieu vous parle comment, pasteur Moïse? On se pose la question. Vous l'entendez, une voix, vous,
vous le voyez, quand il vous dit « Dieu m'a dit », il vous dit comment ? Oh, les prophétiques fonctionnent avec beaucoup de moyens. Mm-hmm. Le prophétique peut marcher avec des sensations même. Okay. Tu sens. Et ce que tu sens, c'est la volonté de Dieu. Okay. Vous voyez ? Le prophétique va aussi dans des convictions. Les prophétiques et aussi dans des visions. Okay. Les prophétiques et aussi dans des songes. Les prophétiques et aussi dans la voix audible. Je suis là, j'entends Dieu comme je vous entends. Ok. Quand vous dites ok là, mm-hmm. j'entends aussi Dieu me dire ok. Ça m'arrive de prêcher, je dis une chose et j'entends Dieu me dire je suis fier de toi. Là, tout de suite, là, sur la chair. Incroyable. Et c'est là que je commence à sourire. Parfois, j'arrête de prêcher. Mm. J'entends un chant d'adoration. Mm. C'est parce que Dieu vient d'être fier de moi. Et je fais ça pour qu'il soit fier de moi. C'est tout. Donc, ça m'arrive d'entendre tout ça. Mais beaucoup d'enfants de Dieu se demandent comment je vais écouter Dieu. Il y a un pasteur qui peut te dire, non, quand Dieu il parle, c'est une voix rock. Quand Dieu parle, c'est une voix basse. Quand Dieu parle, c'est doux, c'est tendre. Non, Dieu peut crier sur toi. Dieu peut te menacer. Dans la Bible, on a vu Moïse être menacé par Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu, même Élie, il a vu de flammes, de tout ça. Mais Dieu lui a parlé par une voix douce, par un vent doux. Le plus important, c'est de se donner à Dieu. Il ne faudrait pas se poser la question de comment il me parlera. La question doit être... Quoi faire pour que je lui appartienne? Très souvent, on se pose la mauvaise question. Comment il me parlera? Comment il me parlera? Comment il me parlera? Non. Comment faire pour que je lui appartienne? Dès que tu lui appartiens, il te parle. Et parfois même, il te parle, mais tu n'es pas connecté. Tu es emporté par les soucis de la vie, par les défis à relever, par la méchanceté des hommes, par « je manque des vêtements ». Toutes ces choses, parfois, t'empêchent de recevoir, de capter le signal. Parfois, le problème n'est pas l'émetteur. Parfois, le problème est les récepteurs. Vous voyez, je suis ici sur ton plateau. Je vois des télévisions ici. Vous voyez, on veut capter Canal+. Mais à un moment, nous, on n'a pas payé l'abonnement. On n'a pas payé l'abonnement. Alors, le problème, ce n'est pas Canal+. Le problème, c'est nous. On n'a pas payé l'abonnement. Il faut payer l'abonnement. Il faut se connecter. Respecter des règles. Vous voyez, suivre Dieu, l'aimer, c'est donner, s'abandonner. Dès que tu t'abandonnes à lui et que tu lui appartiens, le reste là, comment je vais entendre? Et quelqu'un va se demander comment reconnaître que c'est lui. Quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que c'est lui. Et c'est ça même la particularité. En fait, reconnaître la voix de Dieu, c'est ce qui fait de toi une brebis. La Bible dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix, reconnaissent ma voix et me suivent. Et même quand le méchant parle, ils ne le suivent pas parce qu'ils savent que c'est pas. Donc ça arrive que même le diable te parle comme si Dieu t'ait parlé. Mais quand tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es dans une vie où tu t'es consacré, Dieu te parle et tu sais que c'est lui. Personne ne te dira que c'est lui. Tu le sais. Tu sais que c'est lui. Mais à ceux qui font tous les sacrifices, attends, mais je m'adresse au pasteur, à ceux qui font tous les sacrifices, qui essayent de suivre les règles au mieux, mais qui malgré tout... N'entendent pas la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, pasteur? Je leur dirais de 1, persévérer. Ok? Continuer et de trouver un homme de Dieu qui peut prier pour eux. Vous savez, il y a des portes qui s'ouvrent lorsqu'il y a quelqu'un qui a une autorité. Vous voyez, il y a de portes qui s'ouvrent quand quelqu'un qui a une dimension élevée spirituellement prie pour toi. Vous voyez, ça, c'est aussi ça. Trouve un homme de Dieu qui peut t'orienter, qui peut prier pour toi. Mais surtout, ne culpabilise pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que tu es dans le péché. Attention, moi j'ai vécu un moment le silence de Dieu. Dieu était silencieux et quand j'allais voir des pasteurs, ils me disaient « fais des repentances ». Un même m'a dit « fais une repentance, prie pour les péchés que tu as fait quand tu étais bébé ». J'étais là, je dis « oh mais quand j'étais bébé, je dise quoi, Seigneur, pardonne mes couches, pardonne mes biberons, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à Dieu ». Tu comprends, maman? Donc c'est-à-dire, le silence de Dieu ne veut pas toujours dire que tu es à côté. Parfois, Dieu
t'a dit une chose et il attend que tu le fasses pour qu'il donne la suite de la révélation. Mmh. La révélation évolue. Dieu peut te donner une révélation aujourd'hui et il revient après 2 ans pour ajouter la seconde partie. Mmh. Maintenant, toi, pendant 2 ans, tu es là, tu dis, Dieu ne me parle plus, donc il m'a abandonné. Bon. Dieu attend que tu fasses la première chose qu'il t'a dit. Parfois aussi, c'est ça. Le silence de Dieu est dit parfois aussi à notre... on est lent à agir quand Dieu nous parle. On doute. Et Dieu est là, il t'observe. Et il commence à te parler au travers des pasteurs, au travers des amis. Et voilà, c'est aussi ça parfois. Alors, comment reconnaître un bon pasteur? Puisque, comment reconnaître un bon pasteur? C'est très important vu qu'il y a une multitude d'églises. Comment, selon vous, reconnaître un bon pasteur ou encore une bonne église? Ça, c'est une bonne prédication. Je n'ai jamais prêché. Je pense que je ne prêcherai jamais. Ah, j'ai dit ouais, c'est une très bonne prédication. Mm. Mais plusieurs ont eu le courage de prêcher ça. Mm-hmm. Ils ont été tellement courageux qu'ils ont prêché ça. Moi, je n'ai pas le courage de prêcher ça. Parce que, vous savez, la Bible dit que même le diable se déguise mm-hmm. en ange de lumière. Quand on se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire les habits sont propres. Mm-hmm. C'est-à-dire on parle bien. Mm-hmm. C'est-à-dire on attire. C'est-à-dire on fait ce qu'il faut. Mm-hmm. C'est-à-dire il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de péché. Okay. Donc, c'est-à-dire même le diable, à un moment, tu peux le regarder, tu n'as rien à lui reprocher. Mm-hmm. Ça arrive, même au diable. Vous voyez? Alors, maintenant, lorsque je me mettrai à dire un vrai pasteur parle comme ça, un vrai pasteur s'habille comme ça, un vrai pasteur... Je peux modifier pour vous. Quelles sont les bonnes qualités pour être pasteur, selon vous? Mais si je dois répondre d'abord à la première question, parce qu'elle est importante. D'accord. La première question, c'est de prier. D'accord. De dire à Dieu, oriente-moi. Et Seigneur, si je suis au mauvais endroit, sors-moi de là. Mais si je suis au bon endroit... Laisse-moi là, même si tout le monde lapide mon pasteur. Si c'est le bon endroit, Seigneur, là, vous parlez de... donne-moi un signe. je n'ai jamais eu honte de dire que je suis parmi les pasteurs les plus combattus. Je suis habitué, c'est ma vie. Vous voyez, c'est pas un problème. Alors, les qualités d'un bon pasteur, un bon pasteur doit être celui qui écoute Dieu. C'est pas celui qui a étudié la théologie. Oui. C'est pas celui qui a des chaussures. C'est pas celui qui a la plus belle veste. C'est pas tout ça. C'est même pas celui qui a la plus grande église. C'est même pas celui qui a 5 personnes. Un bon pasteur, c'est celui qui écoute Dieu. Parce que quand tu diriges le peuple de Dieu, tu dois bien juger. Tu peux appeler impur ce qui est pur. Tu peux appeler pur ce qui est impur parce que tu as refusé d'écouter Dieu, parce que tu es resté dans tes principes, parce que tu es resté dans ta vieille connaissance, parce que tu ne te renouvelles pas avec Dieu. Les bons pasteurs, la qualité d'un pasteur, c'est d'abord l'écoute. Parce qu'un pasteur est un serviteur. Un pasteur n'est pas celui qui décide. Un pasteur est celui qui exécute. Donc, tu dois écouter pour exécuter. Si tu n'écoutes pas, Tu n'en feras qu'à ta tête et tu vas conduire toute une multitude. Voilà pourquoi il y a des gens qui demandent, Seigneur, donne-moi la foule. Le Seigneur ne leur donne pas. Seigneur, envoie des gens dans mon concert. Le Seigneur n'envoie pas. Envoie des gens dans mon église. Le Seigneur n'envoie pas. Ils font de publicité. Ils mettent toutes sortes de panneaux. Des panneaux ambulants, des panneaux fixes. Mais les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que si je t'envoie des gens, ils vont se perdre. Parce que toi-même, tu es perdu. Toi-même, tu n'écoutes pas. Toi-même, tu juges comme un politicien. Un pasteur ne juge pas comme un politicien. Un pasteur ne juge pas comme un fonctionnaire. Un pasteur ne juge pas comme un youtubeur, comme une youtubeuse. Un pasteur n'est pas là dans les rumeurs. Tu vois, il y a une rumeur, il y a un bruit dans la ville et tu vas faire une prédication à cause de bruit. Et tu te retrouves là en train de blesser celui qui ne mérite pas des blessures, en train d'enfoncer celui qui mérite d'être grand, en train de combattre celui qui ne mérite pas le combat parce que tu n'as pas écouté Dieu, tu es resté dans les rumeurs. On a dit, comment un pasteur fait sa prédication sur base de rumeurs sur Internet? Le samedi, il y a rumeur sur Internet, Ingrid, elle n'a plus de cheveux. Et les pasteurs passent le dimanche, oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il y a des journalistes qui n'ont pas de cheveux. Après, Ingrid apparaît le mardi avec ses cheveux. Alors viens corriger ta prédication. Ça sont des conséquences. C'est parce que tu n'écoutes pas Dieu. Vous voyez? Et moi personnellement, je me méfie des pasteurs qui n'écoutent pas Dieu. Quelle que soit ta grandeur, ou quelles que soient tes relations, tu n'écoutes pas Dieu, tu n'es pas mon ami, tu ne mérites pas mon amitié. Alors, ça tombe bien, on mérite pas, ils ne mériteront pas votre amitié. D'ailleurs, on n'a pas souvent l'habitude de vous voir avec beaucoup d'amis. C'était une parenthèse, tout ça, pour entrer dans la question qui va suivre. Savoir, vous êtes souvent rattaché au scandale. Vous avez cette casquette d'être l'artiste à succès, d'être le pasteur qui a une église pleine. Vous avez dit d'ailleurs lors d'une émission, j'ai 5 000, j'arrive jusqu'à 10 000 membres quand j'ai séminaire et tout ça. Je me souviens, c'était dans une église, vous avez dit ça en Côte d'Ivoire. Pasteur Moïse Mbillé. Souvent, dès qu'il y a un scandale, c'est toujours accroché. Avec vous, dès que vous avez un événement, c'est souvent accroché. Un scandale s'ensuit.
je donne. Il y avait eu un clip d'une chanson que vous aviez sorti. On a analysé le solde de la chanson, que ça ramène aux sciences occultes et tout ça. Les paroles, vous avez... Si la chanson... Los Sambo. Le cercle dans le clip. Non, parce que j'ai l'impression de vous être dubitatif. Non, non, je suis là. Que vous étiez... Je suis là. Ou encore... J'essaie de trouver une réponse bombe. Ah, bombe. Ou encore des paroles de chansons où, au final, au nom de Jésus est sorti au nom de Guégué. Et... Pasteur Moïse Mbié, en tant qu'être humain, comment vous vivez ça? En tant qu'être humain, on enlève le pasteur, on enlève l'artiste, on enlève ses casquettes. L'être humain. Je prie et j'écoute Dieu quand ça arrive. Je demande à Dieu quoi faire. Mm-hmm. Si Dieu me dit de rester silencieux, je me tais. Mm-hmm. Si Dieu me dit de réagir, je réagis, mais j'écoute Dieu. Je reste calme, j'écoute Dieu, ça fait... Ça, c'est... sur la liste, ou mm-hmm. dans le groupe de tous ceux qui sont derrière ces choses, il y a des occultistes qui veulent ternir mon image, mm-hmm. parce qu'ils ne veulent pas que les gens me fassent confiance, parce qu'ils trouvent que si les gens me font confiance, eux vont perdre. Et dans le groupe de ces gens-là, il y a aussi ceux qui ne sont pas dans l'occultisme, mais ceux qui sont simplement méchants, mm-hmm. vous voyez, qui veulent juste combattre, parce que au Congo, en Afrique, mm-hmm. généralement, la réussite, il y a toujours quelque chose derrière. Oui. On ne peut jamais réussir parce qu'on est compétent, on ne peut jamais réussir parce que Dieu t'a fait grâce, mm-hmm. on réussit que parce qu'il y a un fétiche derrière. Il y a aussi des ignorants mm-hmm. parmi ces gens-là, et il y a aussi des jaloux parmi ces gens-là, et il y a aussi des esprits faibles, ceux qui sont emportés par le mouvement. Mm-hmm. Quand on insulte, lui aussi, il insulte. Après un moment, il dit, hey, j'ai insulté, pourquoi ? Et puis, il vient demander pardon. Donc, il y a tout ça. Mais moi, j'écoute Dieu. J'écoute Dieu, c'est tout. Selon vous, pourquoi l'album Héros a été un réel plébiscite ? C'est-à-dire un succès phénoménal, internationalement parlant. Cette chanson Tangonaïe qui reste... l'une des chansons, pour ne pas dire sans doute la chanson la plus écoutée dans le milieu gospel. Vous savez, Madame mmh. Ingrid, mmh. toute personne a l'œuvre de sa vie. Jésus-Christ est venu sur terre, il a fait de miracles. Mmh. Je parie que le jour où il a ressuscité Lazare, les gens ont dit, c'est bon, maintenant il peut s'asseoir, mmh. il a fait ce qu'il fallait. Le jour où il a guéri la mère de Pierre, mmh. les gens ont dit, c'est bon. Mais c'était rien, tout ça. L'œuvre de sa vie, c'était la croix. Chacun a l'œuvre de sa vie. C'est-à-dire la chose qui change tout dans ta vie. La chose qui t'emmène dans une autre saison. Mm. La chose qui t'ouvre les portes. La chose qui transforme ton mm. environnement. La chose qui change l'atmosphère autour de toi. Et je pense que Tangonaïe, c'est l'œuvre de ma vie. C'est l'œuvre de ma vie du côté carrière musicale. Je pense que c'est l'œuvre de ma vie. Ce sont des chansons qu'on n'écrit pas deux fois. Tout artiste a l'œuvre de sa vie. Ah. La chanson qui a tout déclenché. Et moi, je pense que c'est Tangonaïe. C'est votre chanson préférée? Non, malheureusement. C'est laquelle, comme on est entre nous? Ma chanson préférée, est-ce que j'en ai déjà? Alors, même dans ses propres écritures, on en a toujours eu. Ah non, je ne pense pas que j'ai une chanson préférée dans mes chansons. C'est vrai? Non. Bon, une particulière alors, peut-être au niveau sentimental, au niveau... Euro. Ok. Baluka, baluka, po bakwe isanga, yeswati kingate, Euro, Euro, bape sabilaka, bako ki sa jamais, yeswa salignonso, Euro, Euro. Batonga na linga makasi, babalu kelinga, natika alika kangai, nayo, nayo, basusi ekenda nangoro, je ne regrette plus rien, Moïse, yeswa salignon son, héro, héro. C'est Pélissa Motema Nangaï. Pasteur, en fait, ce n'est pas une question de voix, c'est surtout, je pense, une question d'émotion. J'en viens. Votre voix, comme vous l'avez dit à l'époque, les gens même se moquaient de vous, même dans votre famille, en disant « Arrête, tu chantes mal ». Ce que vous transmettez, selon vous, hein, vous allez me dire si je suis dans le bon ou pas,
Vous pensez que qu'est-ce qui séduit les gens qui vous écoutent? Ah, vous parlez de la séduction. Non, je parlerai de ce qui touche les gens. <alors. rire> Au lieu de séduction, on va dire ce qui touche les gens. Je donne ce que j'ai. Je donne pas ce que j'ai vu chez l'autre. Mm-hmm. Je donne pas ce que j'ai admiré chez l'autre. Je donne que ce que j'ai vu. Ouais. Je chante que ce que je vis. Même quand je chante un jour les ciels, sachez que je chante ce que j'ai vu dans les ciels. Mm. Je chante jamais ce que j'ai pas vu, vécu, ce que j'ai pas traversé. Et je pense que c'est ma sincérité que Dieu aime. C'est pas d'abord les gens qui aiment. C'est Dieu qui est touché. Et Dieu, à son tour, touche son peuple. Et son peuple, à son tour, m'aime. Mm. Voilà. Mais quand un Ivoirien écoute Tangonaye, il comprend pas forcément alors. Mm. C'est toujours cette sincérité-là qui... Je pense. Parce qu'il y a des moments où les paroles ne peuvent rien dire. Mm. Quand vous allez au Gabon, quand vous allez en Angleterre, quand vous allez aux États-Unis, mm-hmm. quand vous allez en France, quand vous allez en Côte d'Ivoire, comme vous avez dit, il mm-hmm. y en a qui sont touchés, saisis. J'ai été dernièrement invité par un grand homme d'affaires ivoirien qui mm-hmm. est, je pense, troisième dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et on parlait avec lui dans ma chambre d'hôtel, mm-hmm. avec sa femme. Et le monsieur ne comprend pas Lingala, mais il dit que c'est sans mes chansons qui l'ont aidé quand il n'était rien. Okay. Et aujourd'hui que Dieu l'a béni, il voulait que je me voir pour me remercier. Mm-hmm. Vous voyez, vous vous rendez compte, les chansons ont béni une personne qui ne comprend pas le Lingala. Yeah. Oui, je pense que ce ne sont pas les paroles. Il y en a qui se battent pour écrire les plus belles paroles du monde. Mm-hmm. Il y en a qui se battent pour trouver les plus belles mélodies du monde. Mais je pense que lorsque la musique sort, est née de la sincérité, c'est autre chose. La sincérité de cœur, l'état du cœur. Quand le cœur est bon, tu produis ce qui est bon. Quand le cœur est mauvais, c'est ce que la Bible dit. C'est la source de toute chose, les cœurs. Voilà. Vous avez atteint une dimension où tout ce que vous avez touché marchait. Je reviens sur 2016, 17. Peut-être ça aurait bien. Je voudrais vraiment aller sur 2016, 17, 18. Donc tout ce qui suit après l'album, tout ce que vous touchez marche. Vous avez fait deux fois le Char Club, si je ne me trompe pas. Vous avez fait des concerts au stade en Angola. Vous avez fait. Enfin, vous avez sillonné, on va dire, l'Afrique, l'Europe, bref. Et encore un nouveau scandale. Alors là, un scandale qui fait que vous avez annoncé l'album Triomphe, qu'au final, tout le monde attendait, se disait, mais cet album va cartonner pire, il a travaillé, il n'a pas arrêté de nous. Assassiner, matraquer en termes de communication avec l'album Triomphe, c'est que ça va être quelque chose. Entre-temps, on a eu le droit d'abord pour le 9 septembre 2019, un anniversaire pimpant où au final tout le monde a vu la bourgeoisie congolaise, comme on dit, la petite crème de votre pays. Et janvier, ça tombe. Pasteur, en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, à un moment donné, vous n'aviez pas senti ce vent arriver? Vous n'avez pas senti quelque chose qui allait... Vous avez ces sensations-là, non? Non, elles étaient bloquées, coupées? On n'avait même pas besoin de dons de prophétie pour ça. On était informés du complot. Okay. On était informés, tout était clair. On était informés. Il y a des frères et sœurs, des amis qui travaillent dans la sécurité, dans la nation, qui venaient nous voir pour nous prévenir qu'il y avait un complot, qui se préparait. Et on était informés. On n'avait même pas besoin de prier pour savoir. Mm-hmm. On était informés. J'étais informé depuis le mois de je pense, à décembre, mm-hmm. qu'il y avait un complot qui se préparait. Et puis, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Comment vous avez vécu cette période? Parce qu'aujourd'hui, là, je demande de me le dire à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire en regardant les rétroviseurs, puisque cette période est passée. Comment vous l'avez vécu? Sachant que vous saviez que vous alliez choquer. Vous saviez qu'il y aurait des gens qui vont être blessés. Il y aurait d'autres personnes qui vont même devoir quitter l'église ou bien qui croient à travers vous, comme vous êtes un canal, à toutes ces personnes. Comment vous avez vécu? Je suis resté en prière. Je suis resté en prière, je n'avais rien à faire. Il y a de combats où ta famille ne sait rien faire. Il y a de combats où ceux qui t'aiment, même ceux qui t'aiment, ne savent rien faire. Il y a de combats où ton père ne sait rien faire. Il y a de combats où Ingrid ne sait rien faire. Même si elle multiplie les émissions pour dire c'est faux, les gens ne sont pas prêts à croire Ingrid. Les gens veulent croire le mensonge. Les diables s'étaient levés avec, je pense, un démon géant. Ce n'était pas un petit démon de Marie de nuit. Hein. C'était un vrai démon géant qui était derrière ça et derrière toutes les personnes qui étaient derrière ça. Un vrai démon. Vous savez, il y a des démons qui logent dans des tombes.
Il faut un regroupement des occultistes pour que ces démons se mettent en action. Je pense que c'est un démon comme ça qui s'était levé. Dans nos prières, on voyait même ça. Et voilà pourquoi les gens croyaient à des choses qui n'avaient aucun sens. C'était incroyable. Ouais. Vous étiez affecté quand même. Les gens pouvaient même croire que Moïse m'y a empoisonné des gens. Vous voyez, les gens arrivaient à croire à ces choses-là. Et en ces moments-là, qu'est-ce que tu fais? Tu restes en prière, tu pries. Tu pries et tu sais que mon Rédempteur est vivant et il finit par s'élever. Moi, je suis resté en prière, c'est tout. Pasteur Moïse, maintenant je vous donne la vie sortie de ceux de dehors, puisque c'est aussi mon travail. Oui. C'est-à-dire vous arrivez inébranlable au culte. Enfin, tout Kinshasa est en train de vous critiquer, mais vous arrivez au culte, alors que pendant que tout le monde pense que vous devez peut-être vous retirer. Vous avez limité ça à Kinshasa? Non, c'est ça, non, mais parce que j'ai dit là où vous êtes, où vous venez prêcher. Comme c'était ça, Kinshasa... le monde entier. Non, ça c'est sûr. Oui, c'était le monde entier. Ça c'est sûr. J'ai dit à Kinshasa, mais c'est là où vous prêchez. Donc je veux dire, vous arrivez à l'église alors que la plupart sont en train de se demander. Même certains de votre église ont dû se demander à un moment donné, mais il l'a fait ou pas? Obligé. Donc vous, vous arrivez, vous venez prêcher comme si de rien n'était. Pasteur, est-ce que c'est. On peut appeler ça une force? D'autres parlent d'arrogance, puisque vous venez, vous utilisez au final la chair un peu comme un punching ball. Je dis ça un peu comme un genre de règlement de compte où on nous met une affiche sur Instagram qui vous dit « Surtout dimanche, j'aurai deux cultes. Je vais d'abord dire quelque chose avant de parler. » Donc alors, vous savez que le monde a les yeux rivés sur votre chaîne pour attendre ça en direct. Pasteur. Mais vous savez, lorsque vous êtes attaqué, il faut sauver les brebis qui sont restées attachées à vous. Il ne faudrait pas laisser les brebis comme ça, parce que les brebis, quand ils viennent, ils veulent entendre aussi leur pasteur. Ils veulent... Pasteur, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin qu'on leur dise que c'est un combat, que le diable s'est levé et restons en prière. Et je pense que c'est ça. Vous voulez que je le dise où? Je le dise à la RTNC, que je le dise à ton émission. Non, je le dirai, Dieu de la chair, parce que là, je m'adresse à l'Église. Et je dois parler du haut de la chair. Ce n'est pas un règlement de compte. Est-ce que j'ai parlé en mal de quelqu'un? Est-ce que j'ai accusé quelqu'un? Non, j'ai parlé de mes combats qui durent des années. Ils ont commencé depuis longtemps. Chaque année, chaque fois que je relève un défi, ils essayent de trouver quelque chose pour casser ça. C'est comme Jacob, chaque fois qu'il creusait les puits de son père, il y a quelqu'un qui venait pour remplir les puits pour qu'ils reprennent à zéro. Et je pense que j'ai vécu ça pendant des années. Mais mon plus grand bonheur, je pense que c'est dans tout ça. Vous savez, quand tout a commencé, quand on disait à l'époque, il y a plusieurs années, Moïse Mbi est occultiste, Moïse Mbi est tout ça. Il y en a qui disaient, le monsieur n'est pas occultiste, mais il fait juste ça pour le buzz. Et c'est sa stratégie de communication. Vous voyez? Et il y a même un serviteur de Dieu, chantre, pasteur, qui a même fait une chanson qui il disait « Pasteur, il y a babeuse ». On m'a traité de comme ça. Moi, on a fait des chansons contre moi, vous vous rendez compte? On a fait des écoles de ministères où on invite les hommes de Dieu. On a interdit vos chansons dans d'autres églises. On a interdit mes chansons dans des églises. Je ne sais pas, quelqu'un de ma génération qui a vécu ça peut lever le doigt, mais j'ai l'impression que je suis le seul à avoir vécu ça. Et toutes les méchancetés du monde, j'ai vécu tout ça. Quelle leçon vous avez tirée? Quelqu'un qui va en studio pour faire une chanson contre toi, et c'est pas Rajakula qui a fait ça, c'est un pasteur, c'est un musicien chrétien, c'est pas Rajakula. c'est pas Templa qui a fait ça, tu vois. Alors, finalement, on a vécu toutes ces choses, mais la bonne chose, c'est que à la fin, les Congolais, les Africains, le monde a compris que, en fait, le monsieur ne faisait pas un buzz, il était combattu. C'est la bonne chose maintenant. Maintenant, on sait que Moïse Mbi est combattu. Et je pense que Dieu avait aussi permis que ça atteigne cette dimension pour que les gens comprennent. Vous voyez, j'étais en train de mourir, les gens disaient, oh, il fait un sketch. C'était comme ça. J'étais comme quelqu'un qui est vraiment en train de mourir. Et les gens disaient, non, ce ne sont pas des balles réelles, c'est du cinéma, ça, c'est Hollywood. J'avais envie de dire, écoutez, ce n'est pas Hollywood, je suis en train de mourir. Écoutez, ce n'est pas Hollywood, on est en train de me combattre. Ce n'est pas Hollywood, je vais mourir. Ce n'est pas Hollywood, je vis la méchanceté des hommes. Arrêtez de penser que c'est un cinéma.
Les gens pensaient que je faisais un buzz, pensaient que c'était une stratégie de communication pour qu'on s'intéresse à ma musique, à mes prédications, à mon ministère. Aujourd'hui, tout le monde a compris que, en fait, le monsieur était en train de mourir et on le regardait. Il vous est déjà arrivé de vous retrouver en train de pleurer quand vous étiez tout seul dans votre chambre, en train de vous dire « Mais pourquoi moi ?» Jamais vous vous êtes lamenté ? Mais bien sûr, bien sûr. Mais je ne pleure pas parce que j'ai mal. Je pleure parce que je demande à Dieu. Je ne pleure pas parce que mon ennemi m'a fait mal, non. Non, non. Je pleure parce que Dieu, pourquoi ? Je pleure comme Jésus qui a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Jésus n'a pas pleuré parce que les hommes l'ont insulté. Jésus n'a pas pleuré parce qu'on a craché sur lui. Il a pleuré parce qu'il a eu l'impression que Dieu l'a abandonné. Et moi, je pleure devant Dieu parce que j'ai des questions que je me pose et que je n'ai pas encore des réponses. Mais je ne pleure pas parce que toi, tu m'as insulté. Quand toi, tu m'insultes, j'ai dit, Père, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Vous dites vraiment ça ? Je suis quelqu'un de sincère. Qu'est-ce que vous avez selon vous ? Alors, quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas ? Pour qu'au final, ils s'acharnent sur vous et que vous soyez le mal-aimé ? Ce n'est même pas ce que j'ai, c'est ce que je suis. Je suis ce que les autres ne sont pas. Mon ADN est unique. Lorsque je me retrouve à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, on demande mon doigt. Et quand je mets mon doigt, c'est moi. La personne qui passe après moi met son doigt, ce n'est pas Moïse. 100 personnes, 1000 personnes passent là la journée. Je ne sais pas combien de personnes passent à Roissy-Charles de Gaulle, mais tous ceux qui mettent leur doigt là, il n'y a personne qui a mon ADN. Donc le problème, ce n'est pas ce que j'ai. Le problème, c'est ce que je suis. Je suis unique et je suis fier de le dire. Et j'aimerais tellement que quelqu'un à la maison le dise aussi. Tu es unique. On te combattra parce qu'ils ne sont pas toi. Parce que tu es unique. La plus grande richesse que tu as, c'est d'abord toi-même. Avant de protéger ta maison, avant de protéger ta montre, protège-toi toi-même. Garde-toi et demande à Dieu de te garder parce que tu es unique. On te combat parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Il y a cette étoile, il y a cette grâce de Dieu, il y a cette chose qui fait que, comme vous aviez dit, tout ce qu'on fait réussit. Tout ce qu'on fait réussit. Il y en a qui essayent et qui ne réussissent pas. Dans la vie, il y a deux catégories. Il y en a qui regardent la réussite et qui veulent combattre. Et il y a la deuxième catégorie, la catégorie que j'aime. Et moi, je suis dans cette catégorie, la catégorie de ceux qui regardent la réussite et cherchent à connaître le secret pour reproduire cette réussite. Vous voyez, il y a quelqu'un qui regarde ton émission et qui dit « Ah, mais comment il a fait pour faire ça ? Comment il a fait pour arriver à ce niveau-là ? » La personne ne connaît pas ta patience. La personne ne sait pas que tu es prêt à attendre 3 ans une émission avec quelqu'un. Mais elle, cette personne-là, va appeler quelqu'un, va appeler peut-être, je ne sais pas, une star. Et la star dit « Non, je n'ai pas le temps. » Et la personne abandonne. Mais toi, Ingrid, tu n'abandonnes jamais. Tu peux être là pendant 3 ans, devant une porte, attendre que ça s'ouvre. Ça, c'est ton secret. Ça, c'est ce que tu es. Ça, c'est ce qui fait ta réussite. C'est ce qui fait que je suis là depuis plus d'une heure en train de parler et je ne me lasse pas. Pourquoi ? Parce que tu mérites ça. Tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites qu'on vienne s'asseoir là, te parler. Parce que j'ai pas... Voilà, tu es unique. Maintenant, il y a quelqu'un qui va te combattre. Pourquoi tu as-t-elle invité ? Pourquoi ça ? Mais essaye de connaître le secret d'Ingrid. C'est ça le problème. C'est ce que t'es dit à chanter, mon Dieu. Au lieu d'inamoninga sans raison. Luca, là, avec son secret, c'est tout. C'est tout. Ne déteste pas celui qui réussit. Derrière chaque miracle, derrière chaque réussite, derrière chaque succès, il y a un secret. Quand je regarde Ronaldinho, comment il travaillait. Le jour où il a arrêté de travailler, sa carrière s'est arrêtée. Ben, quand je regarde Cristiano Ronaldo, mais comment il travaille. Le gars, je l'ai vu entrer dans une caisse où il y a des glaces. Après un match, il entre dans des glaces. Si on me demande d'entrer dans des glaces, j'ai fui. Je fouille tout de suite, je pars. Mais lui, il entre là. Après, quand tu vas voir le monsieur réussir, tu dis au fétiche. Tu dis, mais il entre dans des glaces pour être ce qu'il est. Là où il y a une réussite, cherche à connaître le secret. Ne combats pas, cherche à connaître le secret. Quand tu combats, le problème c'est que si lui tombe, ce n'est pas toi qui remplace. C'est ce que tu dois savoir. Je parle à celui qui combat n'importe qui. Quand tu le combats, en fait, lui quand il tombe, tu ne deviens pas grand parce que lui il est tombé. La grandeur ne vient pas de la chute de quelqu'un. La grandeur vient de la découverte d'un secret. Quelque chose qui déclenche tout. Et je prie Dieu que tu découvres enfin la chose qui fera ta force. Au nom de Jésus. Amen.
Sur cette belle parole, regardez avec nous d'ailleurs le séminaire de l'église Cité Bethel. Regardez cet extrait d'abord et on revient juste après. À tout de suite. Écoute. Du sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice apporte dans ta vie? Rejoignez-nous à l'église Cité Bethel. Madame Ingrid. Moïse Mbiye Ministries. Oui. Vous préparez un séminaire d'ailleurs là qui va clôturer cette année. On vient de regarder d'ailleurs les images, c'est pour vous rappeler que ce sera du 30 novembre au 5 décembre, si je ne me trompe pas. Mmh. L'Holocauste. Oui. Pourquoi ce thème? Non, mais en plus, que vous dites que vous avez souvent les difficultés pour trouver les noms des thèmes. Exactement, mais je pense que le Seigneur nous a beaucoup enseigné sur l'Holocauste au travers d'abord de nos expériences, au travers de ce que nous avons vécu. Au travers de difficultés, au travers de joie, au travers de profondeur et des auteurs qu'on a connus. Et il est temps que nous puissions transmettre aussi la connaissance au peuple de Dieu. C'est quoi l'Holocauste? Comment tu sais que tu es cet Holocauste? Et c'est quoi la particularité des Holocaustes? C'est quoi les intérêts de l'Holocauste? Comment Dieu traite avec les... Comment Dieu deal, je vais le dire, avec les holocaustes, c'est quoi l'avantage, le bénéfice d'un sacrifice? Je suis en train de rimer. Okay. Le bénéfice d'un sacrifice. Comment les sacrifices apportent quoi? Plusieurs s'arrêtent à dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai toujours dit, oui, ça vaut mieux, mais ça n'annule pas le sacrifice. Maintenant, qu'est-ce que les sacrifices apportent dans la vie d'un croyant? Pourquoi tu es différent des autres? Pourquoi vous êtes dans la même église, mais toi, Dieu marche avec toi, pas comme avec les autres. La même chorale, le même entreprise, même milieu, mais toi, c'est différent. Même carrière, mais toi, même famille, et vous êtes même jumeaux, mais avec toi, c'est différent. C'est quoi cette particularité? Et qu'est-ce qui se passe exactement lorsque tu as l'impression que Dieu t'abandonne? La loi du combat avant la couronne. Je vais expliquer toutes ces choses que j'ai dit parfois sans entrer en profondeur, mais ça sera un séminaire qui va bénir le peuple de Dieu, qui va bénir tous ceux qui vont être à Kinshasa pour suivre ces séminaires, et même ceux qui seront connectés en ligne pour suivre ces séminaires. Ça sera un bon moment, je suis sûr. Si on pourrait trouver peut-être je fais entrer le Lingala pour qu'ils comprennent bien l'Holocauste, comme ce sera à Kinshasa. Ce serait comment Lingala, l'Holocauste? Si peut-être j'aurais un tempo qu'au Limbolela, j'apprends le Lingala avec non, mais, certains traducteurs. L'Holocauste en Lingala, je pense que j'ai Nazan en Unante, mais Nazan na sacrifice na Lingala, Mbeka. Ok. En plus, ça sonne bien. Mbeka. Mbeka. C'est ça en Lingala. Et qui, comment il faut intérêt ni biloko ni bazo gagner. Tant baso mi kaba na nzambe et lo konini muto a mi kaba na nzambe koki ko reclamer na trône ya nzambe, comment quoi activer nguya nzambe banda ko travailler na vie na yo et lo koni sale makana monde spirituel ce qui aussi lici cycle mon konyo le kana cycle mi balé ya vie na yo et lo konini sale makana moment nini par quoi au koleka pour que obima molongi. Qu'est-ce que nous avons dit makambo ko salema? Bah avantage nini. Tant aux akana impression que nous ko latikio. Et là on y est salema exactement. Tant ko latika ko tika la kananani. Ouais, ils aba mituna bonde toko répondre na bana nzambe et koza momoko ko pambola batunyo. Donc il faut ko ya na église Cité Bethel, na croisement si ya boulevard Saint-Denis Lumumba numéro 670 na limité première rue. Topé Rolanda biso na YouTube to bana les 30. Ouais. Les 30 les
premier, le 2, les 3, les avant-vendredi. Samedi, tu as marqué pause pour que tu aies la dimanche de 15h30 à 19h et à la Sainte-Seine. Donc, nous serons à la table du Seigneur. Et là, nous allons, vous savez, la Sainte-Seine fait beaucoup de choses. Mm. Il y a beaucoup de vérité. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Mm-hmm. Et Dieu m'a beaucoup enseigné sur la Sainte-Seine. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a Sainte-Seine, à l'église Cité Bethel, bah, il y a de miracles, il y a des guérisons, il y a tout ça, il y a des délivrances. Et j'invite le peuple de Dieu à venir prendre la Sainte-Seine à l'église Cité Bethel. Tu es diabétique, tu as une maladie liée au sang, un cancer, je ne sais pas quelle maladie. Viens et le Seigneur fera de grandes choses. En un mot, la Sainte-Seine, elle représente quoi? La Sainte-Seine, c'est le repas du soir. Les repas de ceux qui vivent dans le temps du soir. Vous risquez de répondre à la deuxième question qui allait venir, mais je la poserai quand même, allez-y. Et la Sainte-Seine, la Sainte-Seine annonce une nouvelle saison. C'est ce que les gens doivent comprendre. Jésus a mangé, c'est les derniers repas que Jésus a pris sur terre. Il a mangé avec les disciples et il est parti. Et juste après ça, c'est une autre chose qui a commencé. Et la Sainte-Seine aussi, c'est un repas pour faire entrer, intérioriser, recevoir dans son intérieur le corps et le sang du Christ. Et tu as cru en Jésus, ta vie a changé. Tu l'as aimé, ta vie a changé. Et quand tu le manges, qu'est-ce qui se passe? Est-elle obligatoire le soir? Parce qu'il y a d'autres églises qui la prennent une fois par mois, enfin qui ont fait devenir systématique une fois par mois, au culte normal du dimanche en journée. Est-elle obligatoire le soir? Écoutez, y a une vérité avec la Sainte-Seine. La Sainte-Seine vient de Séna. Séna veut dire souper. Vous voyez, Seine, le mot-clé de la Sainte-Seine, Séna, C-E-N-A. C'est ce qui veut dire souper, et souper, c'est le soir. Maintenant, Jésus a pris ce repas le soir. Les enfants d'Israël ont pris la Pâque, c'était aussi le soir. Okay? Mais maintenant, si on doit aller dans les prophétiques, nous sommes dans le temps du soir. Donc, le soir, c'est plus lié à la montre, mais c'est lié à la saison. Vous voyez? Alors, si on interprète comme ça, donc même celui qui mange la Sainte-Seine le matin, il est dans le soir, parce que c'est le temps du soir. Mais celui qui veut aussi rester dans c'est l'heure de la montre, le soleil se couche, après on mange la Sainte-Seine, il n'est pas dans le péché. Mais il y a des choses très prophétiques derrière la Sainte-Seine. Voilà pourquoi j'invite le peuple de Dieu à venir suivre ses enseignements pour être béni, pour changer même sa manière de voir la Sainte-Seine. Je suis allé dans des églises où on a interdit aux gens de prendre la Sainte-Seine, soi-disant qu'ils étaient dans le péché, soi-disant qu'ils n'étaient pas purs, soi-disant qu'ils n'étaient pas préparés, soi-disant qu'ils n'étaient pas dignes. Il y avait des pasteurs qui avaient de soi-disant thermomètres pour regarder si les gens sont dignes ou pas. Vous voyez, il y en a qui regardaient les gens en train de tomber malade. Ils disaient, tu es tombé malade parce que tu as mangé la Sainte-Seine et que tu n'étais pas digne. Non, la Sainte-Seine ne peut jamais rendre quelqu'un malade. Ne rendra jamais quelqu'un. Le corps du Christ ne peut. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Vous voyez, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. C'est ce que la Bible dit. Jésus n'est pas mort pour qu'on tombe malade. Le corps de Jésus ne peut jamais rendre malade, même le plus grand pécheur. Le corps de Jésus ne peut que guérir, ne peut que bénir, ne peut que sauver. J'aime Jésus, je l'aime de tout mon cœur. Et arrête de croire. Donc si tu es malade, prends la Sainte-Seine. Mais trouve un pasteur, trouve une église où il y a la Sainte-Seine, prends-le avec foi, ne prends pas comme si tu prenais un repas parce que tu as faim. C'est ça le problème. La Bible dit dans Chrétiens, vous mangez le corps et vous buvez le sang indignement. Indignement, c'est sans conviction. Indignement, c'est sans révélation. Indignement, c'est sans compréhension. Indignement, c'est sans enseignement. Tu ne sais pas ce que tu fais. Pour toi, tu as pris le pain et le vin. Vous voyez, parce que tu avais faim, tu veux calmer un peu la faim, l'estomac dérange, je vais prendre. Mais ce n'est pas ça. Mais lorsque tu as la révélation, lorsque tu comprends ce que moi j'enseigne, tu le prends et tu es guéri. J'ai vu des gens toucher à la Sainte-Seine, mais pas prendre, pas boire, toucher. Ils ont juste touché, la personne a touché, la personne tremblait, le vin est tombé sur la personne, je voulais dire le sang de Jésus est tombé sur la personne et la personne se relève avec un témoignage. La personne n'a pas bu, c'est tombé sur les vêtements. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me faire croire qu'on peut prendre le corps de Jésus, c'est lui qui nous a sauvés. Je mange son corps et je reste le même. J'ai dit non, c'est impossible. Pasteur Moïse. Madame.
tout ce qui a changé à l'époque. Comme vous avez dit, vous avez parlé de vos pères de Bethel comme étant des conservateurs, comme disant qu'ils sont de la vieille école. Mais vous, non. Vous êtes venu, vous avez dit ça au début. Vous, vous êtes venu avec une certaine révolution. On n'est plus obligé de mettre les pagnes. Il y a quelqu'un qui veut me créer des problèmes avec mes pères ici. Oh là là. On n'est plus obligé de mettre le foulard sur la tête. Venez, c'est un peu du venez comme vous êtes, un peu comme au McDo. Donc du coup, à travers ça, quelle est l'autre, la vision ? Au-delà de motiver, d'influencer, d'impacter sa génération. Vous avez un problème générationnel, enfin un problème. Vous êtes plutôt dans le générationnel, on va dire. C'est-à-dire que vous aimez les gens qui influencent, qui impactent, qui gèrent la place, comme un peu vous, à l'époque où vous faisiez déjà. Donc du coup, au-delà de ça, qu'est-ce que Moïse Mbi et Ministries veut encore ? Faire de roi. Faire de personnes qui... Nous allons donner au monde des rois. Mm-hmm. Nous allons donner au monde des personnes qui n'abandonnent pas. Mm-hmm. Des personnes que rien ne peut arrêter. Des personnes qui peuvent descendre bas, tellement bas. Tellement bas au point que tout le monde regarde et dit c'est fini. Au point que ceux qui donnaient de coups arrêtent de donner de coups parce qu'ils sentent que ça ne vaut plus la peine. La personne est achevée. Mm-hmm. Et après quelques temps, on voit cette personne se relever, marcher et être plus fort qu'avant. C'est ce que nous voulons donner au monde. Nous voulons donner au monde des gens qui rêvent, des gens qui croient qu'on peut partir de rien. Avec un $50 en poche, on peut atteindre les objectifs. On veut donner au monde des personnes qui croient à la puissance de Dieu, même dans la solitude. Je ne crois pas que seul, on peut aller vite, mais pas loin. Je ne crois pas en cette parole, parce que je sais qu'il y a une race, une catégorie d'hommes sur cette terre qui, même seul, même si tu le laisses dans un désert, demain tu le verras dans ces déserts devenir quelqu'un, devenir chef de ceux qui sont dans le désert. Donc il y a des gens comme ça qui sont nés pour briller même seuls. Vous voyez, et nous dans Moïse Mbi et Ministries, on veut créer ça. On veut donner à cette chance à des jeunes qui sont nés de familles où le père n'a pas cru, la mère n'a pas cru. Les grands frères ont tout oublié. La grande sœur, n'en parlons pas, elle ramasse des grossesses partout. Chaque jour, la grande mère maudit. La grande mère t'est maudit parce que tu t'es levé le matin. La grande mère t'est maudit parce que tu as bâillé. La grande mère t'a maudit parce que tu as fermé juste les boutons. Parce que tu n'as rien fait, on t'est maudit. Parce que tu es sorti, tu es rentré, on t'est maudit. Il y a des familles comme ça, tu brosses les dents, on t'est maudit. Et moi, dans Moïse Mbi et Ministries, je veux que ces personnes croient que malgré la malédiction, tu peux réussir. Malgré la malédiction, tu peux réaliser tes rêves. Malgré ta source, tu peux servir Dieu. Mon rêve dans Moïse Mbi et Ministries, c'est de faire des champions. Des champions, de vrais champions. De ce que le monde ne peut jamais arrêter. Rien ne peut arrêter. Est-ce vrai que vous êtes un grand fanatique de David ? David de la Bible. Mais attends, un homme qui se lève un matin... qui va déposer la nourriture. Mmh. OK, c'est un livreur de pizza, on va actualiser. Tu en prends un livreur de pizza qui Uber Eats. Mmh. Un gars de Uber Eats arrive dans une maison et puis voit un grand défi à relever, il dépose les Uber Eats et il devient le combattant. Mmh. Comment il a fait, on ne sait pas, et puis il gagne. Et quand il finit de gagner, le roi c'est le premier monsieur du pays, le premier monsieur du royaume le combat, mais il gagne. Et son fils se lève contre lui. Il gagne encore. Mm-hmm. Mais comment ne pas aimer un tel homme? Comment ne pas étudier un tel homme? Ces messieurs me fascinent. Ces messieurs m'impressionnent. Ces messieurs, j'ai envie de les saluer. J'ai envie de faire un selfie avec lui, moi. Vous voyez en lui? À David? Mm. Oh. Avec certaines qualités. Hein. Peut-être pas totalement. Vous voulez parler de quelles qualités, madame? Est-ce que vous voyez des traits en vous? Est-ce que vous voyez des vous traits en lui? Vous voulez parler de quoi exactement? Non, je demande juste si vous voyez des traits. Est-ce que vous voulez parler de quelque chose en particulier? Pas du tout. Non. Ah, donc c'est dommage alors. Moi, j'ai juste demandé si vous voyez en David. Est-ce que si vous voyez des similitudes. Voilà le bon terme. Est-ce que vous voyez des similitudes, madame Ingrid? Est-ce que vous en voyez? Quand vous observez mon ministère, ma carrière, est-ce que vous en voyez? Les questions sont les miennes, à ce que je sache. Ah, bon, ça, c'est le rôle du journaliste. J'ai tenté. Je me disais, je vais réussir une fois. Mais bon, j'ai échoué encore aujourd'hui, chers téléspectateurs. Je me dis, Dieu, j'espère un jour que j'arriverai à poser une question à celui qui pose des questions.
Vous voyez les similitudes. Et puis, il lâche pas aussi. On lâche pas aussi. Hein. Vous êtes obligé de me dire lesquels, si vous en voyez juste ou pas. Pasteur. Non, tout ce qu'on veut, c'est ressembler à Jésus. Excellentissime. Donc, on a devant nous le nouveau représentant de la cité Bethel. Oui. Pasteur. Quand j'avais parlé d'héritage, j'allais en venir là, mais au Katenga déjà, enfin, vous y êtes. Enfin, nous y sommes. C'était une volonté ou une destinée, selon vous? Un jour, Jean-Baptiste se retrouve en prison. Il commence à se poser une question. Comment je suis en prison? Je suis ami à Jésus. On se connaît. Mais le monsieur en est né à quelques mois de quelques mois nous séparent. Mais comment lui, il est là et moi, je suis en prison? Moi, je pensais que lorsqu'il viendra, moi, je serai peut-être premier ministre. Je serai grand, je serai riche. Mais comment il est là, moi, je suis en prison? Et l'envoie, les disciples, aller lui poser la question. Finalement, c'est lui l'homme qu'on attendait ou pas? C'est lui qui a été choisi ou pas? C'est lui la volonté de Dieu ou pas? Et écoutez la réponse de Jésus. Allez dire à Jean-Baptiste, ici, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Et c'est tout. Vous voyez? Et si vous me posez la question, est-ce la volonté de Dieu? Je vous dirais, regardez mon travail. Regardez mon travail. Jésus a ramené le regard de Jean-Baptiste sur la production, sur le travail, sur les résultats, sur les performances. C'est tout. C'est tout. Comme vous On êtes... reconnaît l'arbre par son fruit. Forcément. Et d'ailleurs, l'arbre n'a pas de bouche. Donc, plus par les actes. C'est une manière de vous dire ça. Pasteur Moïse, vous comptez emmener où la communauté Bethel? Non, je compte abandonner, déposer au pied du Seigneur la communauté cité Bethel et que le Seigneur emmène où il veut sa communauté. Voilà. Dieu ne choisit pas celui qui dirigera. Dieu choisit celui qui lui permettra de diriger. C'est ce que beaucoup de gens doivent comprendre. Dieu, quand il choisit une église, il ne cherche pas la personne qui dirigera l'église. Dieu cherche la personne qui lui permettra de continuer à diriger. Dieu cherche un canal. Parce qu'il y a des gens, quand ils montent sur le trône, ils ne permettent plus à Dieu d'agir. Il monte sur le trône, il va dans l'occultisme. Il monte sur le trône, il abandonne Dieu. Il va sur le trône, il devient orgueilleux. Dieu va diriger. Mais il veut que la personne qui sera là soit la personne qui lui permet de diriger. Donc Dieu ne m'a pas choisi pour mes compétences. Il m'a peut-être choisi parce que moi, je lui permettrai de continuer à régner sur cette communauté. C'est juste ça, la meilleure des choses. Alors justement, en tant que pasteur, vous avez eu deux casquettes. À la perte de l'apôtre Emmanuel Mbillé, vous perdez un père et vous perdez un père aussi. Alors, un père spirituel, pardon, et un père. La sensation en tant que fils était-elle différente que celle en tant que le nouveau représentant, ou plutôt le pasteur de Cité Bethel? Non, quand il est parti, déjà, quand on m'a dit qu'il était à l'hôpital, il a fait quelques heures, je pense 2 heures à l'hôpital simplement, et il est parti, il ne souffrait pas, il était bien, ça va. Et quand on m'a dit qu'il était à l'hôpital, j'étais au bureau, il était à 23 heures, je priais. 22h jusqu'à 23h, et après j'ai reçu un texto de ma sœur qui était avec lui en France pour me dire que notre père est parti. Et j'étais inquiet, je me disais qu'est-ce qu'on va être, qu'est-ce qu'on va devenir, parce que vous savez, un homme spirituel, même quand il est faible, il continue à jouer un grand rôle. Il faut faire attention, il ne faut jamais se dire, bon, notre pasteur là est fatigué, il est attention, même ton père biologique, attention. Même un père biologique, quand il est fatigué, il n'a pas de boulot, il est chômeur. Ce n'est pas pour ça qu'il faut lui manquer de respect. Oui. Un père a toujours un rôle à jouer, même dans les spirituels. S'il arrête de jouer son rôle dans les charnels, il le joue dans les spirituels. Vous voyez ça? Alors, maintenant, lui, il jouait ce rôle-là et j'en étais conscient. Et le père est parti.
Je me disais comment ça va se passer. Et j'avais peur, une peur incroyable. Jusqu'au 9 septembre, le jour de mon anniversaire même, le corps arrive à Kinshasa. J'étais à l'aéroport. Je me disais quand je vais voir les cercueils, comment je vais réagir. Je me posais la question, mais comme je devais être fort pour l'église, pour les frères, pour la famille, pour les sœurs, j'étais là jusqu'à ce que je voie les cercueils. Quand j'ai vu les cercueils, c'est comme si une voix me disait, c'est bon, maintenant, sois en paix. Okay. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas avant de voir le cercueil. Quand j'ai vu le cercueil atterrir, j'ai ressenti une paix jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il y a des souvenirs qui font que les larmes coulent. Oui. Une larme coule parce que tu as pensé à cet homme qui t'a donné la vie, qui t'a fait étudier, qui t'a éduqué, qui t'a fait connaître Dieu surtout. Mais dans tout ça, je pense que sa mort nous a blessés, oui, parce que c'est un père, mais sa mort nous a laissé la paix. Oui. La paix. Vous avez eu un self-control, en tout cas. De se dire, quand vous avez vécu cette période, en se disant qu'au final, bon, une fois de plus encore, vous savez, à la Moïse Millie Ministries, le deuil, bien sûr, c'était une grande personnalité qui a quitté. Une fois de plus encore, bien médiatisé, au final. Médiatisé par qui, madame? Par la communication, quand je dis médiatisé. C'est-à-dire rien que... Quelle communication? Sur vos réseaux sociaux. Ah oui? Oui, il y avait des photos qui annonçaient toute personne qui venait voir, qui venait... Cela. Ma question n'est pas axée sur ça. La question veut dire que, est-ce que vous avez senti quand même que vous avez été épaulé? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des personnes qui avaient des guéguerres que le monde a pu voir à ce deuil? Est-ce que vous avez senti qu'il a emmené une paix, non pas que chez vous, mais au niveau spirituel, même des églises du réveil? Mais vous savez, je vous ai dit, un homme spirituel, même quand il s'affaiblit, son travail dans le spirituel continue. Jésus est parti et nous a laissé le Saint-Esprit. Vous voyez, un homme spirituel laisse toujours un héritage. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît un homme qui a marché avec Dieu. Oui. Ceux qui n'ont pas Dieu ne laissent rien. Et lui, sa mort a fait que l'Église soit unie, que nous puissions voir des frères qui s'étaient promis de ne plus jamais se saluer. Reparler. On a écouté des témoignages hallucinants des pasteurs. Oui, on a vu ça et c'est nous ne dirons pas gloire à l'apôtre Mbi, nous dirons gloire à Jésus-Christ qui s'est servi de ce moment pour renforcer l'unité dans l'Église. Je ne dis pas que l'Église a toujours été divisée. Il y en a qui travaillent pour la division, mais attention, il y en a qui aiment dans les silences. Ils ne travaillent pas pour la division, mais seulement ils aiment, mais ils restent dans leur maison, ils restent dans leurs églises. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas. Vous voyez, ils se sont rencontrés, ce n'est pas qu'ils ne s'aimaient pas. Il y avait juste une distance, on n'avait pas le temps de se voir. On peut dire les choses comme ça aussi. Au final, finalement, vous êtes pas trop le mal aimé. On vous a vu bien soutenu, les gens sont venus, vous ont assisté. On s'est dit, ah, au final, mais moi, on l'image... Moi, on m'aime beaucoup. Vous avez dit que vous étiez le mal aimé. On m'aime beaucoup. Mais moi, on m'aime beaucoup. Je le vois tout le jour. Ah, écoutez, je suis pasteur d'une église. Une église où on a dit, votre pasteur est un magicien. Les gens sont là. Une église où on a dit, votre pasteur est un guégué. Les gens sont là. Une église où on a dit, votre pasteur a fait ceci. Il est au parquet. Et ils sont là. Comment je vais croire qu'on ne m'aime pas? Et quand je fais de concerts partout, je vais prêcher partout, il y a des témoignages partout. Comment c'est juste, vous savez, le problème c'est quoi? Le problème c'est que les faux parlent fort. Les faux parlent fort, les méchants quand ils parlent, le problème du méchant, le méchant a une arme. Le méchant, il doit parler fort. Pourquoi? Parce que le méchant ne veut pas te détester seul. Le problème du méchant, c'est qu'il faut qu'il y ait un groupe qui te déteste. Et quand il commence sa haine seul, il est seul, il se battra pour qu'il y ait un deuxième qui te haït, un troisième qui te haït. Alors, il est obligé de parler fort pour convaincre les plus faibles. C'est une arme. Parler fort, utiliser YouTube, utiliser Internet, utiliser les médias, c'est l'arme du méchant parce qu'il ne doit pas te détester seul. Quand Judas est venu pour prendre Jésus dans les jardins, quand Judas est venu trahir Jésus avec un baiser, est-ce que vous vous rendez compte, la Bible dit qu'il y avait une foule derrière Judas. C'est biblique.
Il y avait une foule. Donc, Judas n'est pas venu seul. Il n'était pas seul dans le coup. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. Là où il y a une haine, il faut qu'il y ait une multiplication. Et l'ennemi parle fort. Vous voyez? Mais aussi, j'encourage pas ceux qui aiment. Parce que ceux qui aiment ont un défaut et qu'ils ne parlent pas, ils ne le disent pas. Et quelqu'un dit, bah, bon, manga, bon, t'as en lingala, pour dire, on me tue, vous regardez. Ouais. On me fait du mal, vous regardez. Quand tu aimes, montre-le. Parce que peut-être ton amour, ton petit signe d'amour, peut permettre à quelqu'un de ne pas se jeter d'un immeuble, de ne pas se jeter d'un pont, de ne pas prendre un couteau et c'est donner la mort. Tu vois, les méchants parlent, les méchants multiplient les nombres de gens qui haïssent. Nous aussi, nous devons multiplier le nombre de gens qui aiment. Madame Ingrid, dans votre émission, battez-vous pour que l'amour soit multiplié. C'est que cette émission soit un multiplicateur d'amour. Vous voyez, parce qu'il y a tellement d'émissions multiplicateurs de haine. Il y en a tellement. Quand tu entres sur YouTube, tu as envie de fuir. Tu te dis, ça c'est YouTube ou l'enfer? Tu as l'impression que c'est l'enfer. Parce qu'il n'y a que la haine. On t'insulte, on te méprise, on te rabaisse. Quelqu'un dit qu'il te connaît. Quelqu'un peut venir là et dire qu'il t'avait donné, il avait fait. Mais vous ne vous êtes jamais rencontrés. J'ai vu des gens comme ça. Le pasteur Moïse était avec moi. Mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je ne sais même pas où cette personne vit, mais la personne est là. Et tu vois des gemmes, des gens qui aiment ça, qui aiment voir quelqu'un en train d'être lapidé. Où sont partis les gens qui tournaient leur regard quand quelqu'un était en train d'être lapidé? Vous voyez? Où sont partis? À un moment même, les pharisiens, devant la femme qui était accusée, à un moment même, les pharisiens se sont retirés. Mais nous, on ne se retire plus. On est pire que les pharisiens aujourd'hui. On assiste, on voit comment il sera achevé. On veut voir comment il va finir. En fait, la fin de quelqu'un, c'est notre bonheur. La chute de quelqu'un, l'arrêt cardiaque de quelqu'un, c'est notre buzz du jour. Vous voyez? Mais il faut qu'il y ait maintenant des amoureux qui se multiplient, des bonnes personnes qui se multiplient. Et là, ça passera par nous tous, nous les prédicateurs et vous les journalistes. Vous qui avez le droit de poser des questions. Et justement, en tant que prédicateur, à vous les pasteurs, les églises du réveil, beaucoup. On est une multitude d'églises. On est dans un pays ici où, allez, 80%, et je suis gentil, vit sous le seuil de pauvreté. Où les sujets sont toujours les mêmes. Il y a une église, à chaque avenue, il y a au moins 5 à 6 églises. Vous êtes pour la multitude d'églises, alors que vous êtes en train de parler justement que les gens ne s'aiment pas. Quelle est votre faute? Enfin, quelle est votre charge, votre responsabilité en tant que pasteur? Mais vous endossez la responsabilité de tous les pasteurs, puisque c'est vous que j'ai dans mon plateau. Mais on continue à prêcher. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que les gens ne s'aiment pas que nous, on doit arrêter de prêcher l'amour. On est là pour sauver des âmes. Il n'y a pas de tête à couper, il n'y a que de tête à changer. Vous voyez? Et nous croyons au changement de tête. Même celui qui n'aime pas aujourd'hui aimera demain. Vous en êtes persuadé? Mais oui, sinon on arrête de prêcher. Vous savez, on a la foi, on espère, voilà pourquoi nous prêchons. Notre prédication est basée sur la foi. Nous prêchons. Les églises, partout, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est ce que les églises font. Vous voyez? C'est juste ça. Moi qui ai 1000 églises, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, que les églises bénissent, que les églises éduquent, ça, je suis heureux. Mais qu'il y ait 500 églises qui ne font rien, là, je ne suis pas content. Donc voilà, bâtissons des églises, oui, mais le contenu, c'est une très bonne chose. Mais après, il n'existe pas une église sans problème. Vous avez un jour, j'aime beaucoup suivre un grand prédicateur, T.D. Jakes, un grand prédicateur qui est à Dallas. Vous voyez, un jour, je suis même allé là-bas, mais c'est une église incroyable. À voir l'église de T.D. Jakes, tu te dis, mais quelle organisation, mais quelle puissance. Sens, oh mon Dieu. Et un jour, j'entendais les messieurs prêcher. Et quand ils prêchaient, ils disaient, vous venez dans des églises, vous dites qu'il y a des problèmes. Quand vous venez dans la maison du potier, Potter House, vous venez dans la maison du potier, vous dites qu'il y a des problèmes. J'étais dans ma chambre, j'ai fait, oh, même à Potter House, il y a des problèmes. Je pensais que c'était seulement à Bethel. Donc, je dis, si même lui, un conférencier à son niveau, de sa dimension, même dans son église, il y a des problèmes. C'est-à-dire, là où il y a des gens, il y aura toujours des problèmes. Vous voyez, l'église n'est pas un rassemblement des hommes parfaits, c'est un rassemblement des saints. Saint ne veut pas dire parfait. Vous voyez, saint veut dire mis à part pour Dieu. Et est-ce que vous aimez, en tant que pasteur, vous aimez tout? Je vais parler ça comme ça, c'est pas péjoratif.
Est-ce que vous aimez tout le spectacle qui est autour de vous? C'est-à-dire les gens qui oublient que vous êtes avant tout un homme, mais qui vous regardent comme limite étant un dieu, parce que vous êtes leur pasteur, et puis qui ont des comportements différents envers vous qu'envers d'autres. Non, mais écoutez, quand tu viendras à la cité Bethel, Madame Ingrid, on te regardera jamais comme le pasteur. Mm-hmm. On te donnera jamais la place du pasteur. Si on te donne la place du pasteur, même moi, je serais inquiet. Je vais me dire, celle-là, elle est venue nous faire un coup d'état ici. On va te combattre. On va te combattre sérieusement. Okay. Parce que tu vas prendre la place du pasteur. Mm-hmm. Le pasteur doit avoir sa place, une place d'honneur. C'est biblique. Mais aussi, non, même si, même, on va mettre tout ça de côté. Mm-hmm. Mais vous savez, le secret doit être respecté pour que ça impacte. Il n'y a pas d'impact lorsque le sacré n'est pas respecté. Le sacré doit être respecté. Lorsque le sacré est respecté, il y a de miracles. Mm-hmm. C'est très important que l'homme de Dieu soit respecté. C'est très important. Ok, la musique. Du coup, avec toutes les responsabilités que vous êtes en train d'endosser et celles qui s'accumulent, certains ont peur, maintenant vos fanatiques en tant qu'artistes, ont peur que vous laissiez la musique. Vous envisagez cela? Bien sûr. Je le dis devant tout le monde, j'arrêterai la musique. Bientôt? Ça peut arriver à tout moment. Ça va arriver dans 10 ans aussi? On ne sait pas, mais ça peut arriver à tout moment. Demain, après 5 ans, après 20 ans, après quelques heures, ça peut arriver à tout moment, mais ce qui est vrai... Vous attendez quoi, un déclic? Je vous ai dit au début que j'avais 50 dollars, j'avais presque rien. Lorsque Dieu m'a dit... De faire mon album. C'est celui qui m'a dit de faire qui me dira d'arrêter de faire. Vous voyez? Et je ne sais pas comment il m'emmène. Il me parle déjà. Je l'écoute. Lorsqu'il me dira, c'est bon, arrête tout là. Je me lève un matin. J'appellerai Madame Ingrid pour dire, écoute, reçois-moi à ton émission. J'ai quelque chose à dire. Comme on dit, sangwa mawa. Et je dirais, je m'arrête là. Je n'ai pas fait la musique pour le succès. Je n'ai pas fait la musique pour l'argent. Je n'ai pas fait la musique pour la célébrité. Ça paye bien. J'ai béni Dieu que la musique m'a beaucoup payé. D'ailleurs, beaucoup à un point que tu ne peux pas imaginer. Mais je ne l'ai pas fait pour toutes ces choses. Vous voyez, j'ai fait la musique parce que je voulais obéir à la voix de Dieu. Quels sont selon vous les avantages, donnez-nous un avantage de la célébrité, de la notoriété? Oh, je ne vais pas faire le chrétien qui dit, oh non, la célébrité. Ah, voilà. Non, la célébrité, c'est quelque chose. Il faut même pas aller là-haut comme les chrétiens qui sont plus saints, qui ont l'apparence de la piété, mais régnant, c'est qui en fait la force, comme la Bible dit. Je ne vais pas jouer ces jeux-là. La célébrité, c'est bien. Pourquoi? Ça te donne une parole dans la nation. Okay. Ça te donne une parole dans la génération. C'est-à-dire, quand tu parles, les gens écoutent. Et si tu dis des bonnes choses, c'est-à-dire, les gens feront de bonnes choses. La célébrité a des avantages. Deuxième avantage, c'est quoi? C'est que tu donnes une ligne, tu traces un chemin pour une génération. Donc, c'est-à-dire, si tout le monde allait dans les noirs, si toi, tu es dans la lumière et que tu es célèbre, les gens vont enfin regarder la lumière. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Si on ramène cette parole aujourd'hui dans le contexte actuel, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un homme célèbre. Bon. C'est biblique, il faut dire bon. J'aime ça. Voilà. Donc, c'est biblique. Vous voyez ça? La célébrité, après, personnellement, ça ouvre des portes. Oui. Ça ouvre des portes, maintenant, ça dépend de ce que toi, tu fais quand les portes s'ouvrent. Vous voyez, c'est ça, c'est comme Dieu dit à Moïse, ce peuple est à toi. Moïse dit, non, c'est ton peuple. Dieu dit, je te donne ce peuple. Pourquoi Dieu donne le peuple à quelqu'un? Dieu te donne un peuple pour que toi, tu ramènes ce peuple à lui. Il y a des gens qui ont du mal à se connecter à Dieu, ils auront la facilité de se connecter à un homme. Vous voyez ça? Il y a des gens qui regardent Dieu, je vais prier comment? Je vais m'ingénier comment? Maintenant, quand j'ai pris, il est où? Comment je peux l'entendre? Il y a des gens qui se posent des questions. Donc, c'est plus facile pour cette personne d'observer Moïse bien que d'observer Dieu. Alors, c'est mon travail à moi. Parce que Dieu a permis que ces peuples s'attachent à moi, que leur cœur s'attache à moi. C'est à moi maintenant de montrer tous les jours à ces peuples Dieu. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ parlait de son Père. Les gens, les disciples l'aimaient et lui disaient, mon Père, dans la maison de mon Père. Jusqu'à ce qu'un disciple a craqué, lui a dit, bon, arrête de trop parler, montre-nous le Père. Et ça nous suffit. Vous voyez? Et c'est ça lorsque le cœur s'attache à toi. La célébrité est une bonne chose parce que ça te permet d'influencer. Quand tu es un bon, ça tu influences dans le positif. La célébrité ouvre des portes. La célébrité te donne une parole là où les occultistes parlent, là où les méchants parlent. Toi aussi tu parles et on écoute.
Alors, on en arrive au quiz, le quiz du pasteur. Est-ce que je peux rajouter un dernier, s'il te plaît? Allez-y. La célébrité permet de faire les contrepoids. C'est-à-dire, écoutez, dans une nation, il ne faudrait pas qu'il y ait que les païens qui influencent. Mm. Si dans une nation, il n'y a que les païens qui influencent, c'est-à-dire la nation a un souci. Mm-hmm. La nation a un problème sérieux. Dans une nation, il faut qu'il y ait équilibre. C'est-à-dire, les païens frappent, les chrétiens frappent. Vous voyez, les païens frappent, les païens, grand plus de ça, les chrétiens le font. Les païens sont grands, les païens sont bénis, les chrétiens aussi sont bénis. Mm. C'est très important, pourquoi? Parce qu'il faut faire rêver. L'Église doit faire rêver. Les jeunes chrétiens doivent faire rêver. On a tué le rêve dans ce pays. Les chrétiens ne rêvent pas parce qu'il n'y a personne qui fait rêver. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui fait une grande chose, les autres vont se dire, donc c'est possible de le faire. Voilà ce que vous êtes parti répondre à vos collègues artistes chrétiens. Alors, disons, j'ai fait la musique pour impacter, mais aussi pour faire. Mais je suis clair, je n'ai jamais mâché les mots. Mmh. Moi, je ne suis pas de ceux qui utilisent l'apparence de la piété et réniant ceux qui ont fait la force. Mmh. Moi, je ne suis pas là. Moi, j'ai servi Dieu et je sers Dieu, oui, pour plaire à Dieu, mais je ne veux pas passer et que je ne laisse pas d'histoire. Mmh. Je ne vais pas passer et que je ne laisse pas d'héritage. Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a servi Dieu avec zèle, comme quelqu'un qui a influencé sa génération, comme quelqu'un qui a donné aux autres envie de servir Dieu. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais pour aspirer, il faut quoi? Il faut que quelqu'un te donne envie. Voyez, il faut qu'il y ait des gens qui servent avec des dons spirituels pour que les autres aspirent. Il faut que les autres soient influencés. Si l'Église n'influence pas, tout le monde aura envie d'être comme Michael Jackson. Tout le monde aura envie d'être comme Madonna. Toutes les filles qui chantent auront envie d'être comme celles-là qui chantent. Mais après, il faut qu'il y ait encore des Lolo Mbongo qui se lèvent. Il y ait encore des Marie Misamu qui se lèvent. Il faut qu'il y ait des femmes qui influencent, des hommes qui influencent. C'est très important, pas seulement dans la musique, mais des architectes chrétiens qui influencent, des militaires chrétiens qui influencent, des pasteurs qui influencent, des hommes politiques chrétiens qui influencent. C'est très important. Sinon, demain, quand tout le monde va aller dans l'occultisme, Dieu va nous demander ça. Parce qu'on n'a pas fait rêver. Il faut qu'on fasse rêver. Dieu ne va pas apparaître dans le songe de tout le monde. Dieu ne viendra pas dans le songe de tout le monde pour appeler. Il y a des gens qui seront appelés juste en te regardant. Moi, j'étais enfant, j'ai regardé Jimmy Chagar. Et j'ai senti le feu commencer à naître en moi. Il faut qu'il y ait des gens qui enflamment nos cœurs, qui enflamment nos cerveaux. C'est très important. Et moi, je sers Dieu pour ça. J'encourage la jeunesse qui est de journalistes chrétiennes. Moi, je vous vois parfois dans une église en train de prier. Mais j'ai béni Dieu parce que je vois qu'il y a enfin des journalistes chrétiennes, vous voyez, et qui brillent, qui font de grandes choses, qui impactent leur génération. C'est tout ce que nous voulons. Il ne faut pas rester là, prier, prier et rien. Écoutez, Potiphar regardait Joseph tous les jours. Il regarde Joseph tous les jours. Et un jour, Potiphar a dit non, ce gars, Dieu est avec lui. Et j'imagine la femme de Potiphar en train de demander, qu'est-ce qui montre que Dieu est avec lui? Potiphar a répondu, tout ce qu'il touche prospère. Voilà pourquoi il est très important que quand on regarde les pasteurs Moïse Millier, ils fassent rêver autant en tant que pasteur, autant en tant que chanteur, autant qu'il roule carrosse, autant qu'il puisse être bien habillé, autant que quand on le regarde, on a l'impression que... Voilà quoi. Ah, vous avez cette impression? Non, je demande. J'ai dit voilà pourquoi c'est important. C'était juste une façon, c'était une question. Question, on en arrive au quiz du pasteur. Pasteur, vous êtes prêts? 5 questions rapides. On est là, madame. La dîme est-elle obligatoire malgré la nouvelle alliance? Oui, la dîme est vitale même, je dirais ça. Si je dis obligatoire, c'est comme si tu le fais pas, tu vas mourir. Mais tu vas pas bénéficier de promesses liées à la dîme. Vous voyez, derrière la dîme, tu pérennises ce que tu as. Derrière la dîme, tu assures le lendemain. La dîme, c'est comme l'assurance que tu payes pour que quand tu es dans les malheurs, dans les mauvais jours, la dîme te prend en charge. La Bible dit, lorsqu'Abraham a payé la dîme, Lévi l'a payé. La quatrième génération a payé lorsque lui a payé. C'est ça la dîme. Donc, il faut payer la dîme parce que la dîme t'aide à assurer les futurs. La dîme est une recommandation du Seigneur et la dîme apporte beaucoup de choses. À qui va-t-elle?
Ça dépend de l'organisation. La dîme peut aller chez les Lévites, okay, pour prendre soin de ceux qui travaillent dans le temple. La dîme peut aller dans la construction, pour construire un temple. Ça dépend de tout un chacun. Mm-hmm. Comment la personne a organisé son église, qu'est-ce que la personne fait de la dîme. Mais je sais que les églises qui sont très respectées dans le monde, la dîme sert beaucoup, surtout dans les projets des églises. Les églises que vous voyez avec des écoles, avec tout ça, c'est la dîme. Des grandes constructions. Moi, le jour où j'ai commencé la construction de l'église. Un jour, je me suis levé, je me suis dit, je vais faire le rapport. J'ai donné un chiffre, tout le monde m'a regardé, ils ont demandé, mais c'est sorti d'où? D'où? Mais je leur ai dit, mais c'est les dîmes que vous donnez. Ouais. La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? C'est idéal, je pense. D'accord. Pourquoi c'est idéal? Vous parlez d'ailleurs de la virginité, mais l'idéal, c'est éviter, s'abstenir avant le mariage. Pourquoi? Parce que déjà, tu ne sais pas si cet homme, c'est le bon. Tu ne sais pas si cette femme, c'est la bonne. Mm-hmm. Alors, à force d'aller loin, toujours, on risque de se retrouver à un niveau où on ne sait plus revenir en arrière parce qu'on est allé tellement loin. Et quand on essaie de revenir en arrière, on casse, on blesse des gens, on déçoit des gens, on s'est fait des ennemis. Vous voyez, il y a toutes ces choses. Je pense, même pas pour Dieu, mais pour soi-même. Et je pense que c'est important. Ok. Si un couple pieux vient afin que vous puissiez bénir leur mariage, seul bémol, c'est un couple d'homosexuels. Quelle sera votre réaction? Je ne bénis pas un mariage d'homosexuels. Aujourd'hui, demain, après-demain, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Chaque fois qu'on posait à Jésus des questions liées à la sainte doctrine, Jésus disait au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus s'est référé au début. Vous voyez, les choses ont évolué. L'évolution a amené beaucoup de modifications dans l'homme. Mais au début, il n'en était pas ainsi. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons regarder au début, avant la chute d'Adam. Parce que la perfection est là, avant la chute d'Adam. Donc, chaque fois qu'il y a des questions comme ça liées à la sainte doctrine, regarde au début, au commencement. C'est ce que Jésus disait. Au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, y avait-il un homme avec un homme? Une femme avec une femme? Non, il y avait un Adam et une Ève. Vous voyez? Et je pense que c'est ce qui est bon. Qui ne verront pas le royaume des cieux? Ceux qui n'ont pas cru. Pour vous, il suffit juste de croire. Écoutez, quelqu'un va te dire, non, il faut croire, mais il faut aussi passer sous un drapeau, il faut croire, il faut mettre le feu sur son corps. Non, il faut croire. Si tu crois, tu as vu le royaume des cieux. Après, la deuxième condition qui vient, c'est de confesser. La Bible dit, c'est lui qui confesse aussi de sa bouche. Okay? Mais la confession, c'est les fruits de la foi. Okay? Quand tu crois, tu as confessé. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Le plus important, c'est de croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, si tu as cru en Jésus. D'ailleurs, le péché impardonnable, on dit que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est celui qui rend réel les saluts. Lorsque tu as cru en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Tu vois? C'est ça. Donc, c'est-à-dire, sans le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas encore converti. Voilà pourquoi la Bible dit, le seul péché, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, si tu repousses le Saint-Esprit, repousser le Saint-Esprit, c'est repousser les saluts. Tu comprends? Donc, les seuls péchés qui n'en mènent pas, qui fait que tu n'entres pas dans le royaume des cieux, c'est de rejeter les saluts qui a été proposé par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La dernière question du quiz. Croyez-vous au ministère de la femme? Attention, quand vous parlez de ministère de la femme, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement d'enseignements sur les ministères de la femme. Okay? Quelqu'un va dire, bon, la femme va diriger une église. L'autre va dire, la femme ne peut pas diriger une église, mais elle peut prophétiser. L'autre va dire, la femme ne peut même pas prophétiser, elle peut préparer. La femme peut... Vous voyez, la femme... Écoute, la femme elle-même, c'est tout un ministère, vous savez. La femme, c'est tout je un peux, ministère. Je peux la centrer, ma question, si vous préférez. Non. D'accord. Vous n'avez même pas besoin d'aller loin. C'est juste que la femme elle-même, c'est tout un ministère déjà. Vous voyez? Et la femme, quand elle respire, c'est un ministère. Vous voyez? Après, maintenant, si toutes les femmes veulent prêcher, si toutes les femmes veulent guérir de malades, si toutes les femmes veulent faire ça, est-ce que les hommes alors, les hommes aussi, si eux tous veulent prêcher, il faut être appelé par Dieu. Je pense que la bonne question, s'il faut même centrer la question, c'est est-ce que Dieu peut appeler une
une femme? Est-ce que Dieu peut appeler un homme? Vous voyez, maintenant Dieu, il sait comment il fait les choses. Il faut laisser faire à sa manière, ok? Il y a des endroits, vous savez, à la cité Bethel, il y a des églises qui ont été implantées par des femmes. Mm. C'est-à-dire à un endroit, une femme qui est allée faire un commerce, et puis elle arrive là, elle commence à jouer le rôle d'évangéliste. Mm. Et aujourd'hui, on a des églises comme ça avec 1000 personnes, mais qui ont commencé avec le travail d'une femme, vous voyez? Mm. Maintenant, c'est Dieu qui distribue à chacun selon sa volonté. Mmh. Dieu peut faire que la femme parte prêcher dans des brousses. Maintenant, si toi, tu viens, tu dis qu'elle ne prêche pas dans cette brousse, tout ça, et que là, les âmes ne sont pas sauvées. Après, maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle peut diriger tout ça? Ça, c'est autre chose. Mais le plus important pour moi, c'est que la femme soit là où Dieu avait prévu qu'elle soit. Okay. Vous voyez, que tout homme aussi soit là où Dieu avait prévu. C'est le plus important. Merci pour ce quiz. Vous y avez répondu avec brio. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Moïse Mbillé? Quand je dis Moïse Mbillé Ministries, de l'artiste et encore de Bibomba Music. Moïse Mbillé Ministries, et que je serai encore là, je demande à Dieu de me donner la force pour que je continue à transmettre la vie au travers de mes messages et que nous puissions toucher le plus de monde possible. Contactez-nous et entrez en contact avec Moïse Mbillé Ministries. Visitez la cité Bethel qui est notre église et nous sommes partout dans le monde. Écrivez-nous, notre site internet est disponible déjà, écrivez-nous. Et ensuite, par rapport à la carrière de Moïse Mbillé, c'est une carrière qui peut s'arrêter ou qui va continuer, tout dépend de celui qui nous a appelés. Et après, la troisième chose, c'était quoi? Quelle partie de Moïse Mbillé? C'était Bibomba Music. Par rapport à Bibomba Music, j'ai sur les marchés des albums, l'album Kimia et l'album À tes pieds de Trina et de Teddy. Gloire à Dieu pour ces jeunes qui sont en train de faire de bonnes choses. On a relevé un défi avec Trina il y a 3 ans où le premier album était bien. Et là, on relève encore le défi avec Teddy où l'album est très bien accueilli. Ça bénit des frères et sœurs, des païens même. Ce sont toutes vos écritures? Non. Question pour que les gens sachent. Non. Il y a un album où il y a toutes mes écritures. Mm-hmm. Et dans un autre album, il y a une partie de mes écritures et mes arrangements. Est-ce que vous aurez un conseil peut-être à donner à une personne qui nous regarde, qui s'identifie à vous? Là, je vais parler plutôt à l'artiste qui s'identifie à vous, qui aimerait une carrière comme la vôtre. Vous êtes capable de produire vous-même, vos textes sont extraordinaires. Si vous aurez un conseil pour le motiver? Prépare-toi au combat. Super. Ouais, super. C'est ce qu'il faut lui dire. Écoutez, peut-être quelqu'un pensera que je suis en train de blaguer, mais je lisais la Bible, je voyais, avec Dieu, vous ferez des exploits et il écrasera vos ennemis. Maintenant, moi, je disais, avec Dieu, on fera des exploits, pourquoi il y a directement ennemis après? C'est là que j'ai compris que les exploits attirent les ennemis. Donc, ce que j'ai à dire aux messieurs, c'est que quand tu feras des exploits, prépare-toi au combat. Au combat. Oui, c'est le combat, c'est ça la vie de ceux qui font des exploits. Regardez avec nous tout de suite encore un extrait et on se retrouve pour clôturer dans Confiez-nous tout. A tout de suite. Crack Records présente le pasteur Moïse Mbillé le 19 février 2022 pour un programme destiné aux amoureux du gospel, aux passionnés de la bonne musique, aux amateurs de shows et de spectacles, un jour pour ceux et celles qui ont faim et soif de Dieu, un jour pour rencontrer Dieu. Un événement à ne pas manquer. Avec un concert événement, retrouvez pour la première fois en live en France sur la mythique scène du Zénith Paris, la star internationale du gospel, le pasteur Moïse Mbillé, pour un rendez-vous unique et inédit du gospel francophone. Le 19 février 2022, pour un programme destiné aux amoureux du gospel, aux passionnés de la bonne musique, aux amateurs de shows et de spectacles, un jour pour ceux et celles qui ont faim et soif de Dieu, un jour pour rencontrer Dieu. Confiez-nous tout. Pasteur Moïse, dans cette partie, ma question va se poser sur qu'est-ce que a Moïse que n'a pas le pasteur Moïse? Ouf, qu'est-ce que a Moïse que... Donc Moïse, la personne, oui. Celui qui est chez lui, ni chanteur, ni rien, le Moïse, l'être humain, que n'a pas le pasteur Moïse? Je ne pense pas avoir deux vies.
Je pense que c'est tellement mélangé. J'ai pas ma vie sans mon ministère. Je pense que cette chose n'existe pas. C'est un mélange. Ah, vous êtes tout en un. Même quand je suis dans ma chambre, je suis le pasteur. Je suis avec ma famille, je suis le pasteur. Donc c'est quand je vais chez moi voir ma mère me dit, pasteur, prie pour moi. Mm-hmm. Mais là, je viens comme un fils. Mm-hmm. Mais elle me dit, prie pour moi. Donc c'est tellement mélangé que c'est compliqué. Qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. J'ai pas une autre vie en dehors de ce que je montre. Je suis Moïse Mbié, c'est tout. Que faites-vous de votre temps libre? Du peu de temps libre qui vous reste. Est-ce que j'en ai déjà? Ah, c'est comme tout le monde en a, pasteur. Je dors. Hein? Je dors. Vous dormez? Je dors. Quand je suis libre, j'essaie de récupérer des sommeils. Je dors. Vous aimez pas le cinéma? Vous aimez non, pas sortir non, non, un peu? Non, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis allé au cinéma une seule fois dans ma vie. Mm-hmm. Une seule fois de toute ma vie. Je suis allé au cinéma. Et c'était à l'aéroport parce que l'avion était en retard. Mm-hmm. Que je suis allé au cinéma, vous voyez. Vous aimez regarder le football? Oui, j'aime beaucoup regarder le football. C'est aussi, hein? Bon, oui, là vous dites quand j'ai rien à faire. Mais quand je suis... Le football c'est un programme. Mais c'est un programme pour moi, sérieux. Mais quand je suis off, je dors. Alors je vais reformuler. Qu'est-ce que Ronaldo a que n'a pas Messi? Qu'est-ce que Ronaldo a? Que n'a pas Messi. Ronaldo a beaucoup d'ennemis. Mm. Il a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. C'est ce que Messi n'a pas. Ok. Voilà. Plat préféré. Soutenir tout quand la pasteur, vraiment, il est reçu dans son idéal, son plat préféré. Ah. N'est pas le bas qui peut manger du 1er au 30 avant les mater. Mm. Ouf. Oh là là. Demandez-moi ma boisson préférée. Non, c'est le plat préféré. Ouf, je mange tout. C'est pas compliqué? Non, je suis pas très compliqué. Je mange les mêmes choses. À savoir les haricots, les poulets, les poissons, mm-hmm. les pondous. Je mange congolais, je mange ivoirien. Mm-hmm. Atchéké, avec mon poisson. Voilà, gabonais, mm-hmm. je mange brazzavillois. C'est juste ça. Une question juste pour... Vous avez dit que le dimanche, vous étiez habitué à manger le riz et les haricots. De par habitude, comment vous avez grandi? Vous y mettez du sucre ou pas? J'y mettais, mais vous savez, notre tribu à nous, les gens mettent du sucre. Mm-hmm. Mais après, on est en train de grandir. Le corps n'est plus le même corps qu'on avait il y a 20 ans, mm-hmm. vous voyez. Quand on grandit, on commence à faire attention au sucre. C'est normal qu'on n'y mette plus. D'accord. Voilà. Mais le goût de base, c'est avec du sucre. Mmh. Faites une autocritique. Donnez-nous une qualité que vous connaissez avec et un défaut que vous aimeriez changer. La qualité, c'est la totale dépendance à Dieu. C'est ma qualité. Et mon défaut, c'est la perfection. Pourquoi un défaut? Puisque la perfection, c'est bon normalement. Non, la perfection, les perfectionnistes parfois... Vous savez, un perfectionniste, il y a une chose que vous pouvez faire en une minute. Mm. Les perfectionnistes vont prendre son temps parce qu'il veut que ça soit bien. Mm. Parfois, je fais perdre le temps aux gens parce que je veux que ça soit parfait. Mm-hmm. Vous voyez, je peux ramener une chose à l'usine et puis je dis non, on refait. Je dépense de l'argent. Mm. Je dépense... fois trois ce que je pouvais dépenser une fois parce que je veux atteindre la perfection. Mmh. Ça m'arrive de dépenser 6 là où je pouvais dépenser 50. Je dépense 6 000. Oui. Vous voyez, juste parce que je vais atteindre la perfection. La chanson que vous écoutez ces 3 derniers mois, si j'entre dans votre voiture, hormis la vôtre. Mmh. Oh, je pense que j'écoute... je peux en citer 2? Oui, bien sûr. Voilà, il y a une chanson que j'écoute toujours, c'est la chanson du frère Aimé Kanou. Je ne connais pas le titre, mais je peux chanter ça. Allez, parce que je connais par cœur. D'accord, je veux bien. Nako kwe isako, di manangate, nako ikama, suka suka kosala, butu atako molahi, tongwe kota na kaka, kosepela nangai, Ezali susu musikate. Ça, c'est la chanson que j'écoute depuis des années. Il m'a offert un CD il y a,
Je pense 8 ans. Mm-hmm. Et quand j'ai mis dans la voiture, je ne l'ai plus jamais sorti. Du coup, quand je démarre cette voiture-là, c'est ce CD-là qui joue. Et je l'écoute, j'écoute, je maîtrise toutes les chansons de cet album-là. D'accord. Votre dernier caprice ? La dernière fois où j'étais capricieux. Le dernier caprice que vous avez fait, c'est le dernier. Je n'ai jamais su définir le caprice. C'est quoi déjà ? C'est assez général. Un caprice, c'est quand on se disait qu'on ne doit pas le faire, mais on fait quand même. Ah, je veux tellement ça, je donne un exemple. Je veux tellement une paire de baskets. Je me dis, non, mais je suis addict au basket. Mais malgré tout, j'en vois une, je passe. Je dis, non, je ne vais pas prendre, je reviens sur le rayon, je l'achète. Ça, c'est, par exemple, c'est un caprice. Ah. C'est à ce point. Ou dans le chocolat, ou l'addiction, quoi. Oh. Je suis tellement rigoureux avec moi-même que... En tout cas, vous n'arrivez pas à parler de vous, pasteur. Non, c'est parce qu'il y a des choses vraiment qui arrivent rarement dans ma vie. Mm-hmm. Des caprices, de tout ça. Je suis en dehors de Dieu, je suis moi-même mon propre responsable. Mm-hmm. Je ferai des caprices comment. J'essaye d'acheter ce qu'il faut. Mm-hmm. J'essaye de ne pas dépenser... comme ça, si vous me parlez dans ce sens-là, alors je parlerai de l'église. Mmh. Quand je construisais l'église, à un moment, les gens m'ont dit, tu as trop dépensé, arrête. Mais j'ai dit, non, on continue, on ne compte pas, on ne calcule pas jusqu'à atteindre l'objectif. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bon, on va prendre ça. Oui. Votre plus grand regret dans la vie ? Ou l'un des plus grands ? Mon plus grand regret ? Oh, j'en ai tellement. Piochez-en. J'ai tellement de regrets dans ma vie. Comme par exemple. Oh. C'est... mon plus grand regret. Ou l'un des plus grands. Quelque chose qui... Ouais, un regret, puisque ça ne s'oublie pas généralement. C'est de ne pas avoir peut-être joué le bon rôle dans les vies de certaines personnes. De ne pas avoir peut-être été très présent dans les vies de certaines personnes. Vous voyez, des proches. De ne pas avoir fait de ces personnes des priorités. Mm-hmm. Vous voyez, ça c'est aussi des regrets, des choses... qui arrive dans la vie où on se sent sans force. Mmh. On se regarde, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez ? On se dit, si je pouvais. Je pense que le regret, ce n'est pas ce qu'on m'a fait, mais c'est ce que moi, j'ai fait. Je n'ai pas été présent parfois. Vous faites du mal aux gens, des fois ? Ça vous arrive aussi ? Mais bien sûr. Involontaire. Nous branchons tous, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Nous tombons. Tu peux ne pas avoir vu quelqu'un et la personne va dire « Ah, le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui. Mmh. » La personne est blessée parce que ta salutation est une chose importante pour elle. Vous voyez, tu peux blesser aussi de cette manière-là. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, pasteur ? Qu'est-ce qui manquerait à Moïse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me manque ? Oui. Oh. Dans la vie, je ne suis plus dans la carrière ni à l'église. Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? C'est-à-dire un manque, on a besoin de quelque chose. Qu'est-ce qui vous manque dans ce sens-là ? Le changement de l'Afrique, je pense. Le changement de l'Afrique, que l'Afrique redevienne la première puissance mondiale, ce qui était avant la colonisation avec l'Égypte. J'ai toujours dit aux gens, je rappelle tout le temps que Joseph était un esclave vendu en Afrique. Il est vendu en Égypte. Quand les gens entendent l'Égypte parce qu'ils sont blancs, ils pensent que c'est l'Europe, ils pensent que c'est l'Asie, c'est l'Afrique. Dans la Bible affirme qu'à un moment, l'Africain achetait des esclaves en Asie et en Europe. Vous voyez ? Donc on était puissant avant tout ce monde. Et que l'Afrique retrouve sa place. Les gens disent l'Afrique doit monter, l'Afrique doit remonter parce qu'on était au-dessus. On a tous peur de mourir et de laisser l'Afrique comme ça. Et que nos enfants viennent pour essayer de relever les mêmes défis, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes d'eau, les mêmes problèmes d'études, les mêmes problèmes d'hôpitaux, les mêmes problèmes politiques, les mêmes problèmes de guerre.
les mêmes problèmes de minerais, les mêmes problèmes d'emploi, les mêmes problèmes d'études. Vous voyez, les mêmes problèmes pour les artistes, les mêmes problèmes pour les pasteurs, les mêmes problèmes pour les jardiniers, les mêmes problèmes pour la femme violée, les mêmes problèmes pour la femme qui fait des kilomètres pour chercher de l'eau. Il faut affronter des montagnes pour ça. Les mêmes problèmes pour ceux qui travaillent dur, qui sont très courageux, mais qui ne sont pas payés. Vous voyez, des personnes qui ont des salaires qu'ils ne méritent pas. Et c'est des personnes qui ont des salaires aussi très élevés et ils ne travaillent pas. L'injustice, l'insensibilité des dirigeants, comme si on ne représentait rien. Débrouillez-vous et nous, on règne ici. On a peur de mourir et de laisser l'Afrique comme ça. Mais... Le pays où vous aimeriez, mais si vous décidez de tout arrêter et puis de partir, vous aimeriez bien vivre où, puisque vous avez sillonné le monde? Un pays qui vous a fasciné, même si ce n'est pas le vôtre. Oh, j'aimerais aller dans les ciels, c'est tout. C'est tout? Les ciels. Il n'y a pas un pays qui m'a... Ok, j'ai regardé, je suis allé partout, comme tu dis. Les continents, j'ai visité. Il n'y a pas un pays qui a réussi. Je suis allé même à Venise, si vous voulez. Je suis allé même à Venise, mais il n'y a pas un pays qui... Ah, vous êtes parti à Venise? Oui, il n'y a pas un pays qui... La ville des amours. Il n'y a pas un pays que j'ai regardé et je me suis dit, j'aimerais finir ma vie ici. Ouais, non. Il n'y a pas un pays qui a réussi à me faire dire, oh, que j'abandonne tout, que je vienne ici. Il n'y a rien. C'est même pas un pays, mais il n'y a rien sur cette terre qui a réussi à me faire ça. Ni la gloire, ni les succès, ni l'élévation, ni la... l'humiliation, rien n'a réussi à faire que à prendre la place du ciel dans mon esprit, dans mon cœur. Si je m'arrête, j'aimerais aller dans les ciels. Le dernier texto à vous envoyer, à qui était-il adressé avant qu'on débute l'émission? Oh, le dernier texto a été envoyé à mon protocole, qui est à une agence pour récupérer les matériels de l'église, à une agence en ville. Je pense que le dernier texto a été envoyé à lui. Ok. Votre plus grosse honte? Openo Minobila et Sonia Makassi Sopinga. Juste comme ça, pour que vous voyez dans le... Ma plus grosse honte, c'est que j'ai un jour fait pipi dans les habits à l'école, à l'époque. Et ça, c'était... En tout cas, il y avait des amis qui riaient. Je pense que c'est ma plus grosse honte. Si aujourd'hui, si j'avais une baguette magique et que je vous disais, Pasteur Moïse... prenez la baguette magique, tapez et réalisez un vœu là tout de suite maintenant. Ce serait lequel? Sans réfléchir. Ou encore mieux, Dieu vient dans votre rêve et vous dit, Moïse, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi là tout de suite? Que l'Africain change sa manière de penser. Que l'Africain change sa tête. Que l'Africain arrête de détester son frère pour rien. Que l'Africain aime les succès de l'autre. Que l'Africain croie en l'Afrique. Que l'Afrique change. Que l'Africain... protège l'Afrique et que l'Africain arrive à protéger son continent, qu'il se batte. C'est l'Afrique qui est malade et il faut une guérison. Nous, on essaie, on est pasteur, mais ce n'est pas tout. On se bat, on demande à Dieu de nous donner encore plus d'influence. Vous voyez, pas pour s'étaper de veste, mais pour aider le maximum de gens qu'on peut aider, comme avec Noé qui a essayé de faire entrer le maximum d'animaux et d'hommes dans l'arche, vous voyez? Parce qu'il y a des liges, il faut sauver des gens, il faut... Merci beaucoup, merci. Je suis heureux d'avoir été à cette émission, j'ai passé un bon moment, et je reviendrai encore et encore. Merci beaucoup. Pasteur Moïse, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes heureux de vous avoir reçu. Est-ce que vous aurez un dernier mot peut-être? Non, je pense avoir tout dit. Vous avez tout dit? Oui. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions bien évidemment dans cette émission. Merci à toute mon équipe. Vous verrez tout s'afficher. Continuez de nous suivre sur ces directs et puis sur votre chaîne que vous appréciez énormément, sur Ingrid Kabongo TV. Aussi, restez connectés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec le pasteur Moïse et la sainte Ingrid Kabongo, restera entre nous. Entre nous. Ciao, ciao.